nous sommes frères. Tourne-toi, regarde ton voisin, dis je suis ton frère. Alléluia. Mm-hmm. Donc ici là, les titres là, ça tombe là, ça tombe, d'accord. Nous rentrons dans la sainte parole de Dieu. Donc, au fur et à mesure, pendant ces 5 jours, nous allons essayer de déshabiller et dénoncer tout ce qui s'est passé. Le but de cette dénonciation, ce n'est pas pour dire que tel est faux, tel est ceci. C'est parce qu'en fait, nous avons hérité des systèmes. Nous avons hérité des choses qu'il va falloir qu'on réexamine maintenant à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite chacun de nous de prier afin que le Seigneur nous donne un cœur disposé. Parce que c'est pour eux que ce que tu as toujours pris pour vrai semble être faux. Et c'est ça le problème maintenant. Amen. C'est-à-dire, ce que tu as toujours considéré comme vrai. On va regarder à la lumière de la parole de Dieu cette fois-ci. Qu'est-ce que la Bible en dit? J'espère qu'elle ne prend pas trop votre temps. Si vous êtes fatigué, vous ne me dites pas. Vous savez, mes choses sont ici. Finissez-moi, ils prennent, vous allez commencer à partir. Et quand il y a les chaises, la personne qui était assise là-bas n'est plus là. Il y a une chaise là-bas. Il y a une chaise ici. Vous qui êtes sous le soleil, veuillez vous asseoir ici. La chaise en de. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous les femmes, les faux hommes, vos vernis vert, rouge, jaune, les rouges à lèvres, les bleus à cirage que vous faites là-bas. Souvenez-vous que la Bible déclare que le lieu de séduction, c'est vos paupières. Vous savez, là, vous savez dans la Bible, non? Que c'est pas de vos yeux. Que vous regardez vos paupières, vous mettez les phares. Vous brillez comme ça pour dire aux hommes que regarde-moi, regarde-moi bien. Vos yeux là, quand on va percer, vous allez voir. Des questions? Que Dieu bénisse. Voilà, faites comme celui-là, prenez le yaourt, buvez. Ça vous fortifie. Ceux qui prennent de l'aloe vera et des bidons jaunes, prenez cela. Buvez. Prenez courage. Bonsoir Agnala. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis heureux d'être dans votre milieu. Amen. Parce que nous partageons la parole, n'est-ce pas? Amen. Mm-hmm. Sentez-vous libre. Mais je vois effectivement que quand la parole entre, ça en fait son effet. Amen. Ça fait son effet. Donc peut-être si vous êtes venu, vous dites que c'est quelqu'un qui est venu pour déclarer les bénédictions sur nous. Voilà les vraies bénédictions qu'il déclare sur nous. Amen. Voilà les vraies bénédictions. N'est-ce pas que je suis en train de déclarer les bénédictions depuis sur vous? Oui, amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. C'est ça, non? Je vous ai prescrit. Donc j'enseigne, c'est qu'on vous a prescrit d'enseigner. Tu es fatigué, ma soeur, tu donnes de l'eau? Non, je n'ai pas besoin. Et peut-être servir de l'eau? Non, j'ai pas besoin. Alors, des questions, mes frères, des questions. Si vous avez des questions, daignez poser. S'il n'y a pas de questions, maintenant, je prends un sujet et on va sortir par là. Si je prends ce sujet, on commence à ce sujet-ci. On prend ce sujet, on finit. Encore ce train-là. Parler du train. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime, mes frères. Amen. Vous voyez que comme je vous aime, je vous donne ce que j'ai, non? Amen. Ce que j'ai, je vous donne. Alors, des questions? Oui. Pourquoi il y a vendredi pour les musulmans, samedi pour les adventistes, dimanche pour les chrétiens? Lundi? Pour qui alors? Pour les travailleurs. Elle dit pourquoi lundi c'est pour les samedi c'est pour les adventistes, dimanche pour les vous réunissez. Ça c'est biblique. Non, attends, vous réunissez d'abord ici quand? Lundi. Donc vous réunissez ici lundi, jeudi, samedi aussi. Donc vous êtes des adventistes, donc vous êtes un peu des adventistes. Alors tu vois qu'il y a un problème là maintenant, parce que tu dis pourquoi samedi c'est pour les adventistes, vendredi c'est pour les musulmans, dimanche c'est pour les chrétiens. Mais entre temps ici, vous réunissez, nous sommes aujourd'hui dimanche. Donc demain vous allez vous réunir. Jeudi vous allez vous réunir. Et vendredi aussi, ça. Ou bien samedi. Samedi, pendant que les adventistes partent, aussi tu pars. Pourquoi vous faites ça le jour des adventistes? Pourquoi? Tu vois que les adventistes font ça, vous faites ça aussi samedi. C'est pas ma soeur? Ça non? Elle commence à rire, c'est moi. Oui, ma chère, c'est bien compris. Tu as saisi ce que je t'en ai dit? Bon, j'arrive alors, allons-y.
La vision du roi, c'est le Nebuchadnezzar, c'est qu'il a la vision de la statuette. Oui, le roi Nebuchadnezzar. Oui. La pierre qui est sortie sans le secours de nous, c'est détachée d'une montagne. Oui. Détachée d'une montagne et ça a frappé le pied. Qui est là. Et comme c'est le, je peux dire, le dernier virage là maintenant, est-ce que Dieu crée encore les hommes? Ou alors. Crée comment? Créer, non. Créer comment? Est-ce que Dieu a encore créé? Dieu a créé tout. Tout ce qu'il a fait, il a tout créé. Dieu a tout créé. Depuis le jour de la création, quand il essaie de reposer, il ne crée plus jamais. D'accord? Tout ce qu'il a là, il a créé. Tout ce qu'il a là, il a fait. Ça se manifeste seulement. Des naissances, il y aura toujours des naissances. Il y aura toujours des naissances. N'est-ce pas? Il a dit malheur à ceux qui, femmes qui seront enceintes, qui vont allaiter. Donc quand il y aura des tribulations venir, les femmes qui seront enceintes, cherchez toujours l'enfant, vous allez voir. Alors, donc, si c'est pour l'enfant, il y aura tous les enfants. Allons-y ici. Donc, tu disais, le samedi, c'est pour les adventistes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Y a-t-il dans la Bible quelque chose qui dit que les adventistes pour... D'abord, y a-t-il les adventistes du septième jour dans la Bible? Y a-t-il des chrétiens du dimanche dans la Bible? Y a-t-il des musulmans le vendredi dans la Bible? Donc finalement, si ce n'est pas biblique, on ne répond pas des choses qui ne sont pas bibliques. Donc ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Les chrétiens sont assujettis à aucun jour, ni à aucun moment. Parce qu'il a dit là où deux ou trois sont assemblés, il est présent. Fin de citation. Des questions? Il y a des enseignements concernant les adventistes du septième jour, Ellen G. White, avec tous ses écrits au-delà-bas, le chrétien doit-il obéir le sabbat? Il y a les enseignements concernant cela. Le chrétien et la dîme. Le chrétien doit-il payer la dîme? Les offrandes, comment ça doit se passer à l'église? Tout ça, il y a des enseignements. Des questions? Action de grâce. Qu'est-ce qu'on appelle action de grâce? C'est quoi les actions de grâce? C'est quoi les offrandes, volontés, ainsi de suite? Il y a des enseignements concernant cela. Connaître la volonté de Dieu et y marcher. C'est comment connaître la volonté de Dieu? Comment marcher dans la volonté de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Comment chercher la connexion avec Dieu? Il y a tous les enseignements qui sont déjà faits. Joseph, tu as reçu l'enseignement qui a été sur toi? Il devait enseigner que qui veut l'enseigner? Qui devrait l'enseigner? S'il y avait quelqu'un à enseigner, qui devait l'enseigner alors? Puisqu'il a commencé son ministère à 12 ans. Qui a dit qu'il a commencé son ministère à 12 ans? Dans le livre de Luc, chapitre 30, la Bible déclare que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de José, fils d'Eli, fils de ceci, fils de ceci, fils de ceci, fils de David. Fils de David, fils d'Abraham, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc on a dit qu'il avait environ 30 ans, environ. C'est ce qu'on a dit. À l'âge de 12 ans, on voit sur mon temple en train de titiller le docteur du monde. D'accord, ma soeur? Oui, oui, ici. Est-ce que le, ce qu'on appelle communion, oui, a une certification du temps et le vent? Non, arrangeons d'abord la chose. C'est deux questions là-bas. Est-ce que ce qu'on appelle communion a une signification? Ça, c'est une question. L'autre question, le pain et le vin, c'est une autre signification. Parce que le pain et le vin, ce n'est pas la communion. D'accord? C'est parce que la Bible appelle communion. Voilà. Donc, la Bible n'appelle pas communion le pain et le vin. Ça n'a rien à voir avec la communion. D'accord, mes chers? C'est l'église catholique. Je vois seulement tout ce monde. C'est les équelles. On va faire comment? Il faut qu'on nettoie seulement. Tu pars où? Je suis baptisé communion. Ça veut dire quoi? Qu'il y ait pris les sacrements de communion. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça ne se passe que la Bible déclare. D'accord? Voilà maintenant. La communion avec l'église catholique, c'est la nourriture de Satan. Oui. Donc, si tu as communié, tu as fait comme ça, tu as ouvert ta bouche, on a mis ces ronds là. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, c'est que tu as beaucoup mangé de Satan. Que non, je suis communié, c'est parce que les gens luttent là-dedans pour aller payer. Je vais vous expliquer le pourquoi. Vous voulez que j'explique ou bien il ne parle pas? Parle. Écoutez-moi bien avant que je n'avance. Si quelque chose est mensonge, écoutez, regardez le mur qui est devant, derrière vous. Vous écrivez derrière avec quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Mensonge. Vous allez, le doigt là se détruit, le mur se reste debout. Après 1000 ans, vous allez venir voir quoi là-bas? Mensonge. Le mensonge va devenir seulement le mensonge. Ça va rester toujours, mensonge. Même si le temps passe, ça sera toujours mensonge. La vérité est inaltérable. Le mensonge est inchangeable. Donc, si le mensonge sera toujours mensonge. Et ce que Dieu a appelé péché, il ne peut pas, par décret, changer le péché que ça devient maintenant sanctifié. Donc le péché sera toujours péché. Donc si tu dis que les homosexuels de la Bible, oh non, les pasteurs, il y a même les églises homosexuelles aujourd'hui, où le pasteur est homosexuel, il consacre les hommes homosexuels, il prêche la Bible, il choisit seulement les versets que Dieu est amour. Et c'est ça qu'ils lisent. Or, il n'y a pas d'amour sans la vérité. C'est, l'amour et la vérité sont indissociables. Donc si tu aimes, tu dois vivre dans la vérité. Et la vérité, c'est que, voici ce que la vérité dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice parmi les hommes qui retiennent la vérité captive.
Dieu le leur ayant fait connaître. Puisque la perfection de Dieu se manifeste dans l'invisible, c'est quand on le voit à l'œil nu. D'accord? Ils sont donc inexcusables. Ces vantants d'être ça, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu en image corruptible. Vous voyez cela, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'essence réprouvée pour commettre des choses abominables, des choses infâmes. De telle enseigne que l'homme va avec l'homme. Il dit que Dieu les a réprouvés à cause du fait qu'ils ont gardé la vérité. Dieu les a livrés comme ça. Et ils continuent, ils lisent la même Bible, ils sautent ça, ils vont plutôt là où on dit que Dieu est amour. Le Dieu ne juge pas, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Okay. Ça veut dire que Sodome et Gomorrah, quand il a brûlé les gens, il ne les aimait pas. Ou mieux encore, ce n'était pas les gens. Ou bien quand il a fait brûler les gens, tout. Imaginez que des Noé avait les voisins qu'il connaissait. La famille, on dit sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Ça veut dire que les parents et les frères de ses femmes ont été morts, ont été tués dans la déluge. Vous imaginez la femme, les femmes de Sem, Cham et Japhet qui voient leur maman en train de passer dans l'eau comme ça. Oh, sauve-moi, sauve-moi, il ne peut rien faire. Dieu a tué les mères, tué le père, tué le frère dans le mais les a laissés en vie. Et on dit que non, non, Dieu est amour. Aujourd'hui, Dieu ne dérange pas. Alors la communion avec l'église catholique, c'est la nourriture satanique qu'on vous donne chaque fois. Je veux que ça soit le postulat, ça clair, avant qu'il y ait des mondes et détaché. Je vais pas avancer maintenant. Pourquoi on parle du pain, les vins, le pain? C'est pour ça qu'il dit que c'est deux choses. Il finit pour l'église catholique, il touche maintenant pour le pain. Parce que c'est deux choses. La communion, c'est une chose. Le pain et le vin, c'est une autre chose. D'accord? Donc je voulais d'abord dissocier le fait que ce n'est pas le pain et le vin qu'on appelle communion. Dans l'église catholique, la communion que vous appelez, ce que vous avez communion là, remarquez bien quand on dit parle communion, vous entendez ces choses qu'on fait comme ça, on chante, comme ça, on donne dans la bouche. Ça, on appelle communion. Il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures. D'accord? Ok. Maintenant, je vais vous montrer deux aspects de l'église catholique dans la Bible maintenant. Ou bien encore trois. Qui est catholique ici? Okay. Je m'en fous que vous êtes catholique ou pas, c'est ça. Je n'ai pas quelque chose contre les catholiques, ni contre... Je n'ai pas quelque chose contre les catholiques, mais j'ai quelque chose contre eux. D'accord? Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Vous avez remarqué que dans la Bible, la personne qu'on a voté pour remplacer, c'est Judas Iscariote. Vous avez remarqué que la personne qu'on vote dans la Bible comme apôtre pour remplacer, c'est Judas Iscariote. Dans quelle église on vote les apôtres? L'église catholique. C'est-à-dire que les gens là qui sont là-bas, qui meurent, sont les... Judas. On ne voulait pas parler. Judas. Il dit, la succession apostolique est perpétuée dans quelle dénomination? Catholique. Tu as quelque chose contre catholique, mon frère, pourquoi tu cries fort? Quand tu disais ton là, tu ne disais pas fort. Quand c'est pour l'autre, là, tu cries, il faut que catholique. Je vais être doucement pour vous saisir. Quand le pape meurt, comme celui-ci va mourir bientôt, quand il meurt, je l'ai dit quand j'étais en Italie, j'ai dit cela. J'ai dit qu'il va tomber, il va tomber, il va mourir, on va l'amener à l'hôpital, c'est à l'hôpital qu'il va mourir. Et j'ai vu les catholiques dans le monde entier qui demandaient dans l'église de prier pour lui d'allumer. J'ai vu les bougies avec les fleurs qu'on a mis tout autour de son hôpital. Ça va arriver, c'est bientôt. C'est même pas le problème là-bas, j'ai déjà dit cela. Alors maintenant, suivez ici. Je dis ici, quand un pape meurt, il faut voter le pape. Et vous voyez comment il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas que le pape, si on a tellement fait le faux truc pour qu'il passe, non. Donc même je dis à la corruption, que Dieu le pardonne. Maintenant, allons-y doucement. J'ai dit, la façon de voter pour remplacer, déjà que le clergé, le système qu'ils ont là-bas n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Le vrai problème, c'est qu'ils se situent et veulent prendre le verset biblique que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre, il bâtirait mon église. Pour dire que Dieu a bâti son église sur le Pierre et Pierre était le premier pape. On va prendre toutes ces paroles-là qui disent comme décret chez eux pour montrer que c'est le mensonge. Et si on ne parvient à montrer ce mensonge, ça veut dire que l'église catholique, sa fondation, c'est le mensonge. Et si c'est le mensonge, qui les guide depuis le départ, c'est c'est Satan. Et donc, nous allons voir donc toutes les attributs de Satan à l'intérieur. On y va? Voilà. Alors, la succession apostolique, c'est-à-dire que quand le pape meurt, on vote un autre pape. Dans la Bible, on a vu une seule fois ces choses s'est passées. On votait pour remplacer qui? Judas. Donc, ça veut dire que la personne qu'on remplace dans l'église catholique remplace qui? Judas. Donc, ça veut dire que le premier pape, c'est normalement, c'est qui? Judas. Parce que Judas, c'est celui qui trahit la parole. Judas, c'est le mot de la personne qui trahit la parole. D'accord? Qui prend la parole, il tord, il peut faire ça pour avoir de l'argent. C'est ce que l'église catholique fait. Ne te fâche pas, c'est la vérité. On a fini avec les orphelins. Maintenant, il y a vérité et vérité, d'accord? C'est dans tous les aspects. On peut avancer? Mm-hmm. Ne fais pas de ta, vous avez le sel dans la bouche. Mm-hmm. On avance? Amen. Ok. Alors, qui est qu'on dit être le premier pape était marié? Oui ou non? Qui était marié, non? La Bible dit que Jésus est sorti du temple, la belle-mère de Pierre avait la fièvre, il allait la guérir de la fièvre. 1 Corinthiens 9 dit, l'apôtre Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener une soeur qui soit notre femme comme le fait Céphas et les apôtres, les autres apôtres et les frères du Seigneur, même ses petits frères étaient mariés. C'est ça ou c'est pas ça? Donc si le Pierre est le premier pape,
de l'église, ces sœurs doivent être mariées. Donc, qui n'est pas le premier père de l'église? Le premier père de l'église, en réalité, c'est qui? Judas Iscariote. Je peux avancer? Vous allez voir tous ces mensonges-là. Alors, maintenant, donc, on a vu que le premier pape n'est pas l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, pape, je dis pas père. Pierre ne s'est jamais fait appeler père. Parce qu'il sait effectivement que c'est devant eux que Jésus avait dit que vous êtes tous frères. D'accord? Ne vous faites point appeler maître. Ne vous faites point appeler. Vous êtes tous frères. Et on voit dans les écrits comment il dit aux frères qui sont ici. Et bien plus, en 1500, il y a cette doctrine-là en Latran, ce qu'on appelle le concile de Latran. On a sorti l'infaillibilité papale. Je ne sais pas si vous, les catholiques, vous connaissez même vos doctrines. L'infaillibilité papale, c'est-à-dire que. Je vais citer tel que c'est dit et puis vous expliquer. On dit que lorsque le pape parle ex cathedra, donc quand il parle dans la chair de l'apôtre Pierre, il est infaillible. C'est-à-dire que quand il parle en tant que successeur de Pierre, il est infaillible. C'est une doctrine démoniaco-démoniaque. C'est-à-dire que quand il a dit quelque chose, on ne peut pas changer. Et c'est comme ça que l'Église catholique a cherché le bois. Les bois au courant des siècles, ils ont attaché les mains dessus. Parce qu'ils ont déjà dit qu'ils sont infaillibles. Et il y a des choses qu'ils ont dit qui sont contre aux Écritures. Si un autre pape vient dire maintenant que changeons ça, ça remet en cause même sa propre parole. Parce qu'on a d'abord dit qu'eux, ils sont infaillibles. Ils ne peuvent changer donc ce que les autres ont dit. Vous voyez? Donc, par conséquent, l'Église catholique est accumulée. Est acculée par des fausses doctrines, des doctrines diaboliques. C'est plein. Les prières pour les morts, l'encens, le pèlerinage, tout cela, les adorations des statues, et ainsi de suite. Pie XII, quand en 1150, il a dit qu'on commence à vénérer Marie. Mais c'est en 471, sur Nestorius, que ça a commencé à Constantinople. Vous voyez? Quand on a poussé ces choses, la grande et la déesse de Diane, on a pris Artemis, la reine du ciel, pour mettre dans le paquetage à Marie. En prenant le nom Marie pour mettre là-bas, pour qu'on dise que c'est la mère de Dieu. Ça n'a rien à voir, pas vrai? Oui. Maintenant, écoutez, je commence ici pour de ça. Ça veut dire que l'Église catholique, sa fondation, c'est le mensonge. J'avance avec le mensonge pour vous comprendre là où le mensonge se trouve. Parce que jusqu'à là, c'est comme si c'est une spéculation. Maintenant, lorsque l'Église catholique est née, on dit d'elle que Jésus a dit au premier apôtre, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Ouvrons cela et vérifions. Nous parlons de communion maintenant. Vous voyez que pour parler de communion, on ne peut pas juste glisser que la communion c'est telle chose. Il faut que je vous explique la fondation. Parce que quand on parle des choses, les gens disent que non, on juge les églises des autres. On ne juge pas les églises des autres, on dit la vérité. Si vous voulez manger sur le serpent, mangez. Vous voulez boire son venin, buvez. Mais on va quand même vous dire que c'est le venin. On va quand même vous dire que c'est le venin. D'accord? Bon, Matthieu chapitre 16. Ce qui se passe dans ce Matthieu chapitre 16, c'est qu'à partir du verset 16, le Seigneur va lui poser la question, que disent les gens de moi? Les gens parlent quoi, pensent quoi de moi? Ils disent, oh, l'autre pense que tu es Jérémie. L'autre dit, tu es l'ancien prophète. Parce qu'on pensait de lui que c'est Jean-Baptiste même qu'on a tué qui est revenu en vivant. C'est pour ça qu'il fait des miracles. Et puis il s'est tourné vers ses disciples, il a dit, et vous, que dites-vous que je suis? Quand il a dit, que dites-vous que je suis? Il dit, qu'est-ce que vous connaissez de moi? Parce que chaque jour, ses disciples étaient surpris de lui. Quand il posait un acte, on dit que, mais, il se pose la question, qui est même celui-ci? Il calme la mer. Il dit, mais, qui est même celui-ci, même que la mer? Il ressuscite un monde, il dit, qui est celui-ci? Vous voyez cela? Les disciples étaient émerveillés par les différentes prouesses et sa manifestation. Alors, il pose la question, ok, les gens disent que je suis Jérémie, l'autre dit que c'est un ancien prophète. Vous pensez quoi? Ça, c'est ce qu'eux disent. Ils n'en discutent pas. Qu'ils disent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Mais vous pensez que donc, je suis qui? Pierre ouvre la bouche. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis le Seigneur se tourne vers lui et dit, tu es heureux. Fils de Jonas, ça se trouve là-bas, vérifiez votre Bible. Tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, tu n'as pas appris ça dans l'école de théologie. Tu n'as pas allé chez les hommes pour qu'on puisse apprendre ceci. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Qui t'a fait quoi? Entourez ces mots dans votre livre. Si vous avez vu ça, si ça se trouve chez vous, hein, que c'est le Père, mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Alors, entourez. Vous avez vu révélé? Oui. Entourez. Donc, Pierre a eu une quoi? Une révélation. Oh, remarquez bien. La révélation, vous n'y pensez pas. Ça vient. La révélation vient spontanément. C'est-à-dire que Dieu décide de te donner. Maintenant, ça veut dire que, puisqu'il a posé la question, c'est Pierre qui a répondu. Pendant que les autres réfléchissent comme ça, le Saint-Esprit passe par Pierre pour parler. Pas vrai? Amen. Il dit, Jésus dit que ça ne vient pas de ton intellect. Tu n'as pas appris ça, tu n'as pas écouté ça de quelqu'un pour dire. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Donc c'est une révélation divine. À cet instant, si Dieu vient de révéler à Pierre que voici le Christ, loin, le Fils du Dieu vivant, le voilà qui se tient devant vous. Pourtant, d'autres personnes pensaient que c'est un apôtre comme Tando, bien un prophète comme Tando, un prophète qui est mort, c'est pour ça qu'il fait le miracle. Voilà ce que les gens pensaient. Maintenant, après avoir eu ces révélations, il dit que, et toi, je te dis que tu es Pierre.
Souvenez-vous que son nom c'est Cephas, d'accord? Oui. Il s'appelait d'abord Simon. Simon a la connotation du sable. Souvenez-vous bien de ceci parce qu'il faut qu'il veille vers le bout. Le sable, quand vous mettez n'importe quoi, le sable n'est pas solide. Vous voyez, quand il met le pied. Mais pourtant, sur une pierre, quand il met mon pied, c'est solide. Donc, quand Dieu l'avait vu, si tu es Simon, fils de Jonas, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Cephas. C'est-à-dire Pierre. Donc, on t'appelle sable mouvant. Tu n'es pas stable. Ton nom maintenant, ce sera Pierre. C'est-à-dire que je vais te stabiliser. Amen. Le changement de son nom était automatique. Parce que Dieu voulait lui donner quelque chose qui sera stable. Le royaume. Vous comprenez cela? Ok. Alors, c'est Jésus qui a appelé Simon, parce qu'on l'appelle Simon Pierre. En grec, c'est Kephas. Cephas, c'est-à-dire Cephas, Pierre. Alors, c'est vrai, on dit Simon. A été changé pour Pierre. Donc, c'est le nom que Jésus lui a donné de nouveau. D'accord? Parce que sa destinée était liée à ce nom-ci. Il fallait qu'il soit quelqu'un qui est solide. Remarquez très attentivement comment il fuyait partout. Quand ça n'allait pas, il prend le couteau et coupe tes oreilles. Pas vrai? C'est lui qui a coupé les oreilles. Maintenant, il dit, tu es Pierre. Et sur cette, en réalité, regardez bien ces versets. Pendant qu'il parle, lisez. Tu es. Je veux que vous entourez le Pierre, le premier Pierre là. Tu es. Et que sur cette. Et que sur cette. Pierre. Souligné. J'ai dit le premier entouré. Papa, dans ta version, c'est écrit quoi? Tu es. Le verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Chez toi, c'est la même chose. Je construirai mon église. Non, c'est pas construit qui est le problème. Oui, c'est la même chose. Oh, Pierre. Qui est Pierre? Qui a encore une autre? Qui a encore quelque chose? La version, c'est ça qu'il cherche ici. Allons-y. Chez toi, c'est quoi? Rocher. Mais comment tu as dit que c'est la même chose depuis? En tout don maintenant, c'est ce soir qu'on va parler. C'est pour ça que je cherchais une autre version. Sur rocher. Donc chez toi, c'est rocher. Oui. Chez toi, c'est rock. Donc on a des problèmes ici. Vous voyez que s'il ne vous arrête pas pour aller doucement, vous allez dire non, on juge l'église catholique. Parce qu'ils savent quand ils prennent la Bible, les gens ne lisent pas. Dans la version, c'est la version Jérusalem. J'ai vu une version top ici. Quelle est la version top? J'ai vu une version top au juif. Top. C'est écrit quoi? Et moi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là-bas, ça, c'est la version Jérusalem. C'est écrit la même chose. La même chose. Là-bas, c'est roc et puis rocher. Bon, maintenant, voici le problème. Le problème, là, c'est que quand vous lisez en français, on appelle ceci quoi? Pierre. C'est pour ça que c'est écrit en minuscule. Le premier pierre est écrit en majuscule parce que c'est un nom. Le premier pierre, c'est un objet. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Pierre est-il un objet, l'apôtre? Non. Voilà. Ok. Souvenez-vous dans le livre de Daniel que j'ai cité tout à l'heure et comme elle a réitéré là, c'est une pierre qui sort sans le secours d'un homme. Pour frapper, pas vrai? Une pierre qui sort pour frapper. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, la Bible déclare que aspirez au lait et que par lui vous croissez. Comme des pierres quoi? Vivantes. Comme des pierres vivantes. Donc les chrétiens sont des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir l'édifice qu'on appelle l'église. Amen. Comprenez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on commence à ranger doucement. Tu es Pierre. Lève ton frère. Quelqu'un s'appelle Pierre ici? Bon, il n'y a pas de Pierre. On va prendre celui-ci comme étant Pierre. Lève-toi aussi. Toi, tu as arrêté quoi à main? Je dis, vous avez maladie de non parler ici. Tu as quoi entre les mains? La pierre, pas la bière, non? La pierre, voilà. Voilà. Donc, ici, dans ta main, se trouve quoi? La pierre. Et lui, il s'appelle comment? Pierre. Okay. Quelle est la différence entre celui-ci et cela? C'est un objet. Ok, maintenant. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Voilà le verset biblique. Parce que le verset biblique parle à Pierre, un homme. Il dit que toi, tu es Pierre. Il n'a pas dit « et sur toi ». Il dit « et sur cette ». C'est ça, non? Remarquez bien, relisons encore. Tu es Pierre. Alors, 1, 2, 3, lisons ensemble. 1, 2, 3. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez que la phrase même ne dit pas ce que l'Église catholique dit normalement. Parce qu'il ne dit pas que tu es Pierre.
normalement, si c'était lui dont on parlait, on disait que tu es Pierre et c'est sur toi qu'il veut bâtir mon église. Il dit, si tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, il faut qu'on identifie quelle est cette pierre. C'est ça qu'il faut identifier. Parce que si on identifie ça, on a, le problème est terminé. D'accord? Quelle est la particularité pour que Jésus parle à Dieu, Jésus parle à Pierre de cette façon? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pierre a eu quoi? La révélation. La révélation. Donc Pierre avait la révélation. Donc le rocher c'est le symbole de le rocher c'est le symbole de révélation. Donc la connaissance, l'église du Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur la révélation de qui il est. Amen. Allons-y, assieds-toi mon frère. Assieds-toi avec la révélation. Hein? Toi, assieds-toi. Donc vous voyez que cette personne, ce qu'on appelle Pierre, a eu une chose qu'on appelle la révélation. Il dit que Pierre, sache que c'est dans la révélation de la personne que l'église est bâtie. La Bible déclare en effet dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, que vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Parce que c'est la pierre de révélation. La révélation de la personne qui est Christ fait que tu connaisses exactement ce qu'est son église. Amen. Arrête frère. Vous avez compris maintenant? Donc, maintenant, au-delà donc de ce que l'Écriture dit en clair comme cela, commençons à montrer le non-sens. Souvenez-vous, je vous ai dit dans un autre épisode ici depuis le matin, je vous ai dit que Satan, c'est un grand serviteur de Dieu qui a pour mission d'échouer. Et il échoue toujours. Toujours. Et son échec, c'est que quand il va vouloir faire n'importe quel faux, il va faire ça, on va toujours voir. Bon, maintenant, on a expliqué que Pierre et le rocher, c'est deux choses différentes. Donc, Jésus est bâti sur la révélation. L'Église est bâtie sur la connaissance de qui est Jésus. Maintenant, si ceci est connu, la question c'est, on va commencer à interroger maintenant la phrase catholique qui veut s'approprier ces versets. À supposer donc que l'église donc est bâtie sur l'apôtre Pierre. Première question, d'après la Bible, c'est quoi l'église? Vous allez commencer à voir maintenant comment les doctrines diaboliques de l'église catholique tombent là maintenant. Dites-moi, c'est quoi donc l'église? Qu'est-ce que la Bible appelle par église? Tu veux parler? L'église c'est quoi? L'église c'est un endroit où on se réunit pour rendre grâce à Dieu. Ah, haute voix pour qu'on l'entende. Un endroit où on se réunit pour rendre grâce à Dieu. Applaudissez pour elle. Maman, tu dis que l'église c'est? C'est tout la même chose que dit là où les. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens vont se rassembler. Les chrétiens vont se rassembler. Si ma mémoire est bonne, ta boutique est ici en haut. Et tout après toi, il y a un endroit en bas où on prie. C'est l'église là-bas. Pourquoi tu as traversé ça pour venir ici? Demandance. Explique-nous le pourquoi. Parce qu'elle a défini l'église comme étant le lieu où les chrétiens se rassemblent pour prier. Ceux qui sont là-bas, sont-ils pas les chrétiens? Je ne sais pas, papa. Elle dit qu'elle ne peut pas témoigner de leur foi. Donc elle ne peut pas les appeler créer. Chrétien. Mais si elle lui demande maintenant qu'il prie ou là, elle va dire c'est l'église. Pourtant, d'après sa définition, l'église c'est l'endroit où les gens se réunissent pour prier. Donc si c'est venu pour prier, alors c'est l'église. Pourquoi tu ne peux pas donc prier là-bas? Tu viens plutôt ici. Donc ma jeune fille, sans dire si elle comprend bien, nous sommes ici, c'est l'église ici. C'est ça non? Elle regarde d'abord les arbres, elle dit que mais sous là, parce qu'elle a dit que c'était là où on résonnait. Elle a vu qu'on attachait les bâches là-bas, elle dit que non. Ça c'est l'église des bâches ou bien les arbres comme ça. Vous voyez, je pose cette question, c'est pour nous amener tout simplement à la compréhension biblique. Vous voyez, dans aucun verset de la Bible, la Bible n'appelle pas un lieu l'église. Amen. Donc l'église n'a jamais été définie comme un lieu où les gens partent prier. Nulle part. Ceci est important pour comprendre cette doctrine diabolique de l'église bâtie sur Paul. Parce que quand vous les demandez, vous dites, ok, Pierre est le premier pape de l'église. L'église est bâtie sur lui. Vous dites que, ok, l'église est bâtie sur lui où? On va vous dire, c'est le basilique quoi? Saint-Pierre qui est à Rome. Ok. À supposer, jusque-là, c'est toujours très grave. Si c'est donc l'église qui est bâtie à Rome, qui est bâtie sur Pierre. Donc, ça veut dire que le cadavre de Pierre est en bas. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Ok. Saint-Émonique qui est ici là. Dieu, il avait aussi dit que c'est bâti aussi sur Saint-Émonique. Mm-hmm. Jésus avait dit que c'est bâti sur qui? Pierre. Donc, ça veut dire que si c'est comme ça, alors c'est seulement l'église catholique qui est à Rome, sur Pierre qui est conforme. Toutes les autres sont faux. C'est deux choses l'une. Soit l'église catholique est totalement dans la vérité, les autres sont faux. Soit les deux sont fausses et que rien n'est vrai là-dedans. Pas vrai? Et je veux qu'on se comprenne très attentivement. Si l'église catholique a raison en disant que Pierre, l'église est bâtie sur lui, et ils disent que c'est l'église Saint-Pierre de Rome, qu'à l'intérieur en bas, son cadavre se trouve en bas.
et qu'on a construit l'église catholique qui est là-bas sous son cadavre, que c'est ça l'église dont Jésus-Christ parlait. Donc, c'est construit en 600. Donc, Jésus-Christ a parlé en l'an 30, avant, donc à 30 ans de son ministère. Ça a duré plus de 600 ans. Pierre est mort. Donc, depuis que le temps que Pierre est mort, jusqu'à ce que l'église vienne, il n'y avait pas d'église sur la terre. Vous voyez que c'est un non-sens, pas vrai? Puisque l'église catholique est venue en 600. N'est-ce pas? Donc, du moment où Jésus a parlé comme ça, jusqu'à ce qu'il est parti, les apôtres sont morts, nous sommes morts, jusqu'à l'an 600, il n'y a pas d'église. Y avait-il l'église sur la terre? Y avait-il l'église catholique? Non. Vous avez des problèmes là. Vous avez des problèmes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Deuxième chose encore, en supposant que l'église est toujours bâtie sur l'apôtre Pierre, Severon dit, il va falloir que l'apôtre Pierre soit mort à Rome. Or, il n'y a aucune trace historique pour montrer que Pierre n'ait jamais mis son pied à Rome. Voilà encore un autre mensonge. On continue toujours les supputations. Ça veut dire que si on continue toujours comme ça, en supposant que l'église catholique est bâtie sur Pierre, ça veut dire que toute autre église catholique dans le monde entier est dans la fausseté. Parce que dans ce verset du chapitre 18 de Matthieu, du verset 18 du chapitre de Matthieu 16, il dit « Je bâtirai mon église », c'est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. Donc ça veut dire que si c'est une, ça doit être une seule. Et si vous pouvez leur montrer que voici ça, alors l'autre n'est plus ça. Nous sommes d'accord, mes soeurs. Nous sommes d'accord, non? Parce que là-bas, il n'est pas parlé. Il n'a pas dit tu es pierre, je suis pierre, il bâtirait mes églises. Il n'a pas dit ça au pluriel, il dit au singulier. Alors, s'il y a l'adjectif démonstratif au singulier, c'est mon église. Alors, ça veut dire que ici, cette église-ci, si c'est elle qui est vraie, les restes de l'église catholique dans tout le monde entier est faux, parce que c'est celle-là qui est vraie. Ça veut dire que tout le monde irait là-bas. Ouais, qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs avec eux-mêmes, n'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'on se retrouve maintenant? On se retrouve avec une succession de mensonges. Parce que l'église de Dieu n'est pas bâtie sur le cadavre. Parce que c'est un. Deux, ce verset-là dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. La Bible dit que la Russie va frapper l'église catholique avec la bombe nucléaire. Détruire le Vatican, c'est ce que ça va détruire. C'est écrit là-dedans. Quand on va la détruire parce que c'est elle qui faisait le commerce avec le roi et souillait la terre avec toutes ses iniquités. La Bible dit cela. En une seule heure, son jugement est venu. Elle est tombée, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors on va la frapper avec la bombe nucléaire. Quand on va la frapper, ça va frapper à Rome. Boum, le Vatican va disparaître. La Bible dit là, les portes du séjour de bon ne prévendront pas contre l'église du Seigneur. Donc quand, ou mieux encore, avant que ça n'arrive, s'il y a un tremblement de terre à Rome, ça peut détruire ça, non? Si ça tombe, n'est-ce pas, le tremblement de terre seulement a vaincu l'église du Seigneur. Mais lui dit que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. C'est-à-dire quoi? Si vous regardez la Bible, comme nous avons vu ici dans le cadre des songes, quand Dieu donne une révélation, personne ne peut plus jamais l'arrêter. Parce que la révélation est imbattable. Quand Joseph a eu sa révélation, comme nous l'avons vu ici dans le cadre des songes, quelque chose a empêché. Non. En voulant faire du mal à Joseph, vous allez accomplir plutôt le songe sans vous en rendre compte. Parce que la révélation a été donnée. D'accord? Toutes les révélations de Dieu sont imbattables. C'est pour ça que la Bible est révélée. Toute personne qui veut lutter contre la parole de Dieu lutte contre lui-même. On ne peut pas arrêter. C'est une révélation. Donc, la révélation, c'est le rocher solide sur lequel Christ est bâti son église. Amen. Vous avez suivi? Amen. Alors, premier mensonge, l'église catholique n'est pas bâtie sur Pierre. Deuxième mensonge, Pierre n'est pas le premier apôtre de l'église. Pierre n'a jamais été le premier pape de l'église. Il n'a jamais été le pape. Deuxième chose, il y a des doctrines là-bas, les femmes, les prêtres ne se marient pas et autres, mais écoute, je veux les nonnes et autres. C'est grave là-bas, les prêtres qui ont les enfants, c'est autre chose là. Mais la caste et la classe des sacrifices telles que chez les catholiques, c'est exactement ce qui était à Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Quand vous voyez les magiciens qu'on a vu tout à l'heure dans Daniel, qu'on a appelé là, ce sont eux qui révèlent maintenant cette majesté. Pas étonnant que le titre Pontifum Maximum, vous avez entendu Pontifum Maximum, c'est-à-dire que c'est celui qui est le pont entre Dieu et les hommes. C'est quand même terrible. Parce que donc un pape avait déclaré que nous avons sur la terre, nous tenons sur la terre le remplaçant de Dieu. Souverain pontife. Vous entendez cela? Le souverain pontife. Donc, le seul pont par lequel sans lui pouvoir rencontrer Dieu. Jésus a dit sur la terre, je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai l'esprit des vérités. Il vous conduira toute heure. Il n'a pas dit que je laisserai le pape sur la terre. Il n'a pas dit laisse Pierre sur la terre. Non. La personne à qui il parlait, il y avait Pierre inclus. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements, moi j'ai prié le Père, il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne connaît point, il ne peut recevoir pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Jésus n'a pas dit, Mohamed, les Mohamedans viennent dire maintenant que c'était Mohamed dont il parlait. C'est le Père des manches. Alors ici, il est question du Saint-Esprit qui est censé venir conduire les chrétiens dans la vérité. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui s'étend sur un long temps.
Et c'est longtemps là, un être même pas vivre tout ce longtemps pour faire, pour perpétuer cela. Il faudra quelqu'un qui est éternel, le Saint-Esprit. Amen. Pour perpétuer cela au travers des siècles et amener à la perfection. C'est le Saint-Esprit qui est le remplaçant de Jésus sur la terre. Il dit, je m'en vais vers le Père. Il vous a avantagé que je m'en vais, car si je n'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Il n'a pas dit le Pape ne viendra pas. Il a dit le Consolateur. Donc le remplaçant de Jésus sur la terre, c'est qui? Le Saint-Esprit. C'est lui le remplaçant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc le Pape n'est pas le remplaçant de Jésus sur la terre. Pas étonnant que la Bible dit d'elle qu'elle porte des titres blasphématoires, des noms de blasphèmes, ayant des noms bizarres à l'intérieur, qu'on va la frapper, cette prostituée. D'accord? Voilà, maintenant. Ayant donc vu donc que l'Église catholique est non seulement le traître Judas, menteur, père de mensonges, voyons maintenant comment sa divinité est entrée à l'intérieur et quelle divinité chère, pour qu'on comprenne pourquoi vous mangez dans sa chair. D'accord? Maintenant, vous aurez remarqué que toutes les idoles que vous voyez à l'Église catholique ont des lumières sur la tête, n'est-ce pas? Que ce soit n'importe quoi, Sainte Rita, Bartholomé, l'enfant Jésus, même l'oiseau de chez les catholiques, il y a toujours la lumière sur eux. Pas vrai? Cette lumière-là représente quoi? Le soleil, pas vrai? C'est le dieu Mitra, justement, qui était le dieu babylonien que les Roms a indiqué. Si vous prenez les anciennes pièces, vous avez les pièces des monnaies ici. Vous prenez les anciennes pièces romaines, avant que les chrétiens viennent sur la terre. Vous prenez les anciennes pièces romaines, vous allez voir que les effigies des rois qui étaient là-bas, ils avaient ces mêmes effigies sur la tête. C'est quand même curieux. Ça dit que avant que les chrétiens soient sur la terre, que Jésus ne vienne sur la terre pour prêcher. Par la suite, les chrétiens vont venir. Avant cela, vous prenez les anciennes pièces romaines. Allez même sur Internet, savoir les pièces romaines, quoi, les fléchis des pièces romaines avant Jésus. Mm-hmm. On va vous présenter les pièces qu'on a découvertes avec le même soleil sur les effigies des rois païens qui étaient avant Jésus. Donc, ça veut dire que les statues que vous avez le soleil là, ce n'est qu'une une suite de continuation d'une œuvre qui était déjà là-bas. En réalité, tous les titres que le pape a, c'est le titre que les empereurs romains portaient. Donc, ça, en tout cas, aucun de ces titres ne représente un titre de la Bible, n'est-ce pas? Il n'y a aucun de ces titres cardinaux, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Je vous pose la question. Où est-ce qu'ils prennent? Où se prennent ça? Dieu ne fonctionne pas sur la forme pyramidale. Où il y a le pape ici, les 1220 évêques de Rome ici, et ici les consistoires et quoi, les archevêchés et autres là-bas et autres. Pyramidale. Tandis qu'une décision prend ici, ça continue. S'il prend en haut, ça descend jusqu'à là. J'étais l'enseigne que s'il y a l'année liturgique, on dit qu'on va lire telle chose dans toutes les églises catholiques, c'est ça qu'on lit. N'est-ce pas la même chose que le témoin de Jéhovah font, hein? Vous allez dans un coin, vous voyez un témoin de Jéhovah, vous réveillez, vous allez à Yaoundé, à ce même instant, vous voyez, c'est même réveillez-vous. C'est le catholique converti en témoin de Jéhovah. Même chose. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Vous ne verrez pas deux prédications dans la Bible de la même façon. Mais peut-être parle du même Jésus, mais pas la même façon. L'apôtre Pierre n'a jamais prêché une prédication arrangée. Il est debout, il parle, c'est selon que ça vient de l'esprit. Mais aujourd'hui, ils ont une prédication. Quelqu'un, pasteur, sur l'éducation, il dit qu'il faut que le prophète sur l'amour, il choisit deux versets là derrière, il met, on dit l'année lecture, première lecture, deuxième lecture, on lit. On annonce même la lecture qu'on va lire le prochain dimanche. C'est quand même curieux. Toute l'année même. Année A, l'année B. Donc ça veut dire que c'est en courant le Saint-Esprit veut qu'on change de message, on ne veut pas. Pas étonnant qu'ils ont mis le Saint-Esprit dehors, ils ont décidé de contrôler leur business. Vous me suivez? Ok, je peux avancer? Ok, maintenant, le rond qu'on met dans le goutte, on vous met dans la bouche là. Mm-hmm. Vous avez vu que c'est rond, n'est-ce pas? On appelle ça hostie. Oui. Ça représente le dieu soleil, le rond qui est derrière la tête là-bas. Yeah. Apocalypse chapitre 17. Allons-y ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous devez vomir ce que vous avez mangé chez Babylone. Yeah. On a bien venu de tout. Apocalypse chapitre 17. Vous avez ouvert. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Mm-hmm. Et c'est pour eux que je lise, j'espère que vous ne comprenez pas. Mais que Dieu vous en garde, que Dieu nous en garde, vous allez comprendre tôt ou tard. Amen. Maintenant, écoutez très attentivement. Si vous lisez la Bible ici, vous savez ce que Dieu dit. Vous regardez le monde. Chaque jour, vous allez seulement crier repentance à Dieu. Si vous lisez la Bible, vous voyez le monde. Vous voyez ce que Dieu dit du monde. Et ce qui est en train d'arriver. Et dans quel monde nous trouvons maintenant, c'est repentance chaque jour. Vous n'allez pas dire, Seigneur, donne-moi mon mari. J'arrache mon tout. Vous allez arrêter ça. Ok, maintenant, Apocalypse chapitre 17, verset 1, continuons. Alors, commençons là, verset 1. Puis, un des sept anges, allons-y, lis là, oui, à haute voix. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupons, oui. Et il m'adressa la parole en disant, oui. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Stoppons donc là-bas. Je vais aller doucement, d'accord? C'est pour ça qu'il dit que permettez-moi, même si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Amen. Il dit que un des sept anges qui tenait les sept coupes, c'est le coupe de la colère de Dieu. Il mange, il verse sur la terre pour qu'il y ait des fléaux sur la terre. Un des anges a appelé Jean, il dit que viens, je vais te montrer comment on va traiter la prostituée. Une prostituée représente une femme, n'est-ce pas? Amen. C'est pour ça qu'une des fois, si je vous ai dit, vous êtes là, il y a deux styles de femmes dans la Bible.
une femme prostituée, donc là, ça aboutit à Apocalypse chapitre 14, 17, ou bien une femme de Dieu saine qui aboutit dans le chapitre 19, la femme d'épouse de Christ. La description qu'on donne de cette femme-ci est pathétique. Mais on prend un être humain, femme, pour représenter cette personne-là. Maintenant, on dit que je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Et on dit que celle qui est assise sur les eaux. Bon, les eaux. Vous connaissez ce qu'on appelle l'eau, non? Oui. Ça veut dire que les fleuves, non? Oui. Bon, maintenant, quand vous lisez qui est assise sur les eaux, vous pouvez penser que l'eau, ça veut dire quoi? L'eau, c'est quoi, maman? L'eau, non? L'eau de Vouri, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Toi, qui as l'eau? L'eau de Dibamba. Courage. Toi, ma soeur. L'eau de la Snec. Elle dit l'eau, c'est l'eau. Vous voyez, si ce n'est pas la Bible qui interprète ça, chacun aura son interprétation. Dieu merci que la Bible a interprété. Amen. Et comme la Bible interprète maintenant, on va d'abord aller lire ce qu'elle dit, ce qu'elle voulait dire, elle est assise sur les eaux. C'est que soit que cette eau. Quand avec la définition qu'elle va donner, on va commencer à se poser des questions pour identifier quelle est cette femme-là. Parce que si vous ne connaissez pas ce que c'est que cette eau sur laquelle elle est assise, on va dire n'importe quoi, vous ne pouvez pas dire que c'est l'église catholique. D'accord? Gardez dans l'esprit, il y a qu'enlever l'église catholique. Mais il faut qu'on l'identifie ici. D'accord? Oui. Maintenant, allons au verset 15. Lis le verset 15 avant qu'on va remonter. Le verset 15 dit quoi? Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples. 1. Des foules. 2. Des nations. 3. Et des langues. 4. Donc, les eaux finalement, c'est qui? La population. Donc vous voyez que si vous posez la question et restez tranquille, vous allez dire n'importe quoi sauf l'autre là, pas vrai? Dieu merci, Dieu, la Bible parle et interprète son langage. Donc on a gardé à l'esprit que il me dit les eaux que tu as vues, les grandes eaux que tu as vues, ce sont les foules, les nations, les peuples et des langues sur lesquelles la prostituée est assise. Une prostituée, c'est une femme qui a quitté le droit chemin, c'est-à-dire que quitter le cadre du mariage pour aller se livrer pour des salaires. N'est-ce pas, mes soeurs? Voilà, c'est-à-dire que quand tu donnes ton corps pour obtenir des salaires, des luxes, pour honorer ton corps, tu dis, j'ai vu la bague Saint-Germain, j'ai vu le portable iPhone 8. On te donne l'iPhone 8, on prend ton corps. Tu es une prostituée. Donc, si vous êtes ici, un garçon vous donne le chewing-gum, il fait bisou, tu es une prostituée. Un bisou, il est comme ça, après, tu donnes un chewing-gum, ou bien tu donnes un chewing-gum, tu fais bisou, tu es une prostituée. Vous êtes entretenu par un homme et que vous n'êtes pas marié. Vous êtes une prostituée. C'est ce que la Bible enseigne. Ça vous choque, c'est quand même la vérité. Mais il passait seulement. Alors, la Bible déclare ici que cet homme, si cette femme s'est assise sur les grandes eaux, et on nous a défini ce que c'est que les eaux. Maintenant, il faudra qu'on dise dans la Bible ce que c'est qu'une femme d'abord. Parce que ça veut dire qu'on a dit que les eaux, on a cité l'eau. Pourtant, l'eau n'est pas l'eau physique qu'on est en train de dire. On a dit que l'eau physique qu'on est en train de dire là signifie telle chose, les peuples. Donc, ça veut dire que cette femme-ci, c'est une image. Il faut qu'on détermine donc, ce que c'est que cette image. Maintenant, la Bible définit en termes paraboliques, c'est-à-dire quand ça parle en image, la femme peut être symbolisée par une alliance. L'église, parce que regardez bien, on dit femme, soyez soumise à vos maris comme l'église l'est au Seigneur. Dans cette parabole, dans cette phrase-là, la Bible compare l'église à la femme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Donc, le mari est comparé à Christ. L'église est comparée à la femme. Donc, quand la Bible parle en langage parabolique, l'église est souvent appelée la femme, ou bien la femme est souvent appelée l'église. Vous avez compris? Amen. Voilà, maintenant. Quand la Bible parle en langage parabolique, ça peut appeler Israël, la femme, parce que la Bible appelle à Israël la femme de Dieu. Vous comprenez, mes frères? Amen. Donc, ça veut dire que soit c'est une alliance, soit c'est une nation, soit c'est une nation, soit c'est une église, soit c'est Israël. On va commencer par élimination des cas. Y a-t-il une nation qui domine sur toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples? Y a-t-il une? Non. Israël domine sur toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples? Non. Donc ce n'est ni une nation, ni Israël. C'est écarté. N'est-ce pas, frère? Amen. Y a-t-il une alliance qui domine sur toute une nation, tout un peuple, toutes les nations, toutes les langues? Non. Non. Il reste un cas. On ne pose plus la question parce qu'il n'y a que les quatre cas. Si les trois cas ont été éliminés, forcément c'est la seule. C'est une église. Tout le monde entier, sans exception, y compris les musulmans, ont bu de l'église catholique. Tous, sans exception sur la terre. Et regardez-moi bien encore. L'église catholique, c'est la seule qui domine sur tout le monde entier. En fait, nous sommes dans le quatrième royaume. Le quatrième royaume est dominé par Rome. C'est un royaume... Maman, allez comme ça, vous fermez. C'est un royaume qui n'a pas d'armée. Il a seulement sa bouche et sa robe blanche. Mais les chefs d'État, qui ont les bombes et l'armée, ont peur de lui.
Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que cet homme-ci a? En tout cas, vous allez voir tout seul qu'on va redescendre encore au verset 2. Sauron dit que c'est une femme. Mais la question maintenant, parce qu'on a dit qu'une femme est appelée en parabole église. Dans ce cas, mais on n'a pas seulement dit femme ici. Parce qu'on a dit qu'une femme, une prostituée. Pourquoi? Parce que la personne qui devait être la femme de Christ s'est prostituée avec d'autres divinités. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on va identifier cette divinité. Parce que mon but, je suis en allée ici pour chercher le Dieu qui se trouve dans cette hostie que vous prenez. D'accord? C'est pour cela qu'on peut aller dans un autre petit tabernacle. Il y a l'hostie là-bas. Il vient se prostituer devant l'hostie. Parce que se prostituer devant quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là est votre Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Il se prosterne en signe d'adoration devant cela. La Bible déclare, tu ne te prosterneras point devant une image taillée. On doit se prosterner seulement devant Dieu. Donc, si se prosterne devant, c'est leur Dieu. En fait, la doctrine de la transsubstantiation dit clairement que dans l'hostie se trouve le corps total du Seigneur. Et dans le vin et le sang se trouve totalement son sang. Donc, quand on brise l'hostie, chaque mise de l'hostie contient la totalité du corps, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doctrine satanique à l'Église catholique comme ceci. J'arrive. J'avance là. Amen. Alors, on dit, nous avons vu qu'on a éliminé Israël comme étant une femme possible dans la parabole là. On a éliminé les nations comme étant une femme. Parce que les nations ne peuvent pas défendre les nations, ça n'a pas de sens. On a éliminé l'alliance. C'est l'alliance. Dans Galates chapitre 4, la Bible déclare que les deux femmes, Sarah et Agar, sont symbolisent deux alliances. Donc les femmes symbolisent souvent les alliances. Mm-hmm. Alors donc, ça veut dire qu'on on a éliminé le fait que ce soit l'alliance. Donc il ne reste qu'une seule chose, c'est une femme, ce qui se dit église, qui s'est prostituée. La question maintenant, c'est, il faut qu'on identifie sur la terre l'église qui domine sur la terre. Est-ce l'église protestante? Non. Est-ce le full gospel? Non. L'église réveillée, j'y reviens bientôt? Non. Entre par ici, tu sors par là-bas riche? Non. Qui est la seule qui domine dans le ciel de la terre? Catholique. L'église catholique. Donc l'église, comment? Dans tous les pays, il a ses ambassadeurs. Le nonce apostolique est reçu comme un ambassadeur du Vatican. En plus de cela, c'est un État. C'est encore très grave. Il a son propre drapeau, son propre hymne. Quand il arrive dans le pays, on l'accueille comme chef d'État. C'est très grave. Le plus riche du monde. Avec les honneurs. Pardon que Pierre, entre guillemets, le premier Pierre, on le chicotait seulement partout. N'est-ce pas? Mais celui-ci, on le reçoit avec les révérences. Les rois de la terre se prosternent devant lui pour le baiser. Les rois de la terre qui ont le garde du corps, qui mangent dans les voulis, boivent les chameaux pour se protéger, viennent devant lui, se prosternent. Il est regardé comme ses petits frères, habit dragon, il y a, non? mais quelqu'un qui n'a pas. On a peur de George Bush et tous les autres gens de la manière parce qu'ils ont des bombes nucléaires. Vous faites attention, ils envoient les militaires chez vous frapper. À celui-ci, on a peur de lui, pourquoi? Si vous ne faites pas quelque chose, il va vous faire quoi? Napoléon en a appris à ses dépens. Les rois de la France ont appris à ses dépens. Il a déposé des rois. Il restait comme ça, il parlait comme ça, les rois fuyaient. Les rois ont l'armée, il a sa bouche. La Bible déclare qu'il parlait comme un dragon. Vous ne posez pas la question pourquoi, quand il y a n'importe quoi dans le monde, le pape vient là-bas, il parle, les gens commencent à se mettre au pas. Ça arrive là maintenant, bientôt, quand il va prendre la présidence du monde. Alors, nous avons vu que cette personne s'y domine le monde, n'est-ce pas? Il gouverne sur les peuples. Donc, il n'y a pas de coin dans le monde où il n'y a pas l'église catholique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de coin dans le monde. Même en Arabie Saoudite, chez les musulmans, c'est lui au moins qui se trouve là-bas. L'église catholique. Quand le pape passe là-bas, chez les gens là-bas, on le recueille sur le dos du Coran, il fait un bisou sur le Coran. Alors que la loi musulmane interdit aux non-musulmans de toucher même le Coran. C'est terrible, pas vrai? Quand on fait la réunion pour la paix, c'est son trône seul. Vous remarquez, il s'assoit comme ça là. C'est son trône qui est le plus grand, le plus élevé. Quand vous bavardez, que vous êtes le pentecôtiste, vous venez là, vous asseyez dans une petite chaise. Lui s'assoit au milieu. Les bouddhistes viennent et prient. Tous les autres viennent et prient. Après, quand il s'élève, il parle, tout le monde s'élève. Quand lui entre en dernier, tout le monde s'applaudit. Le dragon lui donna son pouvoir. Mais le plus grave, c'est qu'il a s'habille en un vêtement blanc. Pour mieux séduire. On avance dans la lecture. Revenons donc au chapitre 1. Donc, on dit donc, j'ai vu une femme donc, qui était assise sur les grandes eaux, n'est-ce pas, qui tendait le lit. C'est avec elle que les rois de la... Non. On était en endroit où on a dit que j'ai vu une femme qui était assise sur les grandes eaux, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez bien. Puisque dans ce chapitre 17, on est en train de prendre étape par étape. Quand on va prendre n'importe quoi, on va toujours se poser la question si ça remplit la condition, l'église catholique remplit la condition. Parce qu'il y a une condition qui peut l'éliminer. D'accord? Voilà. Dieu merci que vous avez la version top ici et la version Jérusalem. Quand on va finir, où il y a un verset, vous allez toucher là-bas, on va aller dans la version Jérusalem. Lis ce qu'ils ont dit. C'est la version catholique qui va nous dire clairement qu'ils ont même compris que c'est Dieu dont on parle. Allons-y.
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. À l'impudicité. Regardez, stoppons avant. On dit que c'est avec elle. Vous avez vu ça? Elle n'est pas au pluriel. Elle, c'est au singulier. On dit que c'est avec elle que les rois de la terre. Montrement, l'église qui est en collaboration avec les États, les rois de la terre. Montrement. Quelle est l'église qui est en collaboration avec le roi de la terre? Laquelle? L'église catholique. Donc, chaque question qu'on va poser là, ça va retomber sur elle. Maintenant, le plus grave, c'est que Dieu a donné cette description sur longtemps. Presque 1000 ans avant que l'église catholique vienne sur la scène. Dieu nous prévenait que voici quelque chose qui allait venir, qui serait une abomination sur la terre. 1000 ans avant. Allons-y, continuons la lecture. Donc, on a vu que les rois de la terre collaborent avec elle. Donc, ça veut dire qu'ils partent dans l'impudicité. L'impudicité, c'est qu'il fait une relation avec les rois alors qu'il ne veut pas avoir cette relation. Vous ne pourrez jamais le voir se tenir là-bas et frapper et parler du péché contre le roi. Dit que sortez de l'homosexualité, sortez de pas. Il ne peut pas dire cela. On va poser la question. Il va dire que Dieu est amour. Il ne va pas trop condamner les gens. On ne juge pas. L'église est sainte. Il faut que tout le monde, que tu l'acceptes tout le monde. Donc, sois païen. Jean-Baptiste dit au roi, Jean-Baptiste, quand le roi il a dit qu'il n'était pas permis de prendre la femme au lieu de ta femme. Quand il dit comme ça, il dit grâce, comment il peut me dire la vérité comme ça? On a coupé sa tête comme ça, mais il a quand même dit la vérité. La vérité. Ceci ne peut pas dire, il ne peut pas dire au roi, sortez de l'homosexualité. Quittez la franc-maçonnerie. Quittez la rose croix. Il ne peut pas dire cela. Parce que tous sont à l'intérieur du même cercle. Continuons. Et c'est du vin de son impudicité. Que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, ça dit que tous les soulagés, en tout cas, chaque jour, je corrige des doctrines ici. Vous voyez que tout ça vient de l'église catholique, non? Tous les pasteurs que vous voyez là qui font les mêmes choses, qui font l'église catholique, l'initiale, c'est l'église catholique. C'est elle la mère. La première église mère sur la terre, c'est l'église catholique. Donc, c'est pour ça que j'appelle grand-mère. Donc, quand vous voyez qu'elle se vante que nous sommes la mère, c'est normal. Ils sont la mère, mais la mère des prostituées. La Bible donne la place des mères. Parce qu'une mère, c'est celle qui a accouché. Dans les dénominations, puisqu'elle a accouché, les protestants. Donc, quand tu dis protestes, c'est normal que tu ressembles bien à ta mère. C'est l'église catholique a les aspects qui ressemblent à sa mère, pas vrai? Vous prenez le culte marial, vous mettez la liste dans l'église protestante, elle devient justement catholique. Donc ça veut dire que sa mère, elle a le nez de sa mère ou autre, c'est ça, le teint qui change seulement. L'église catholique, on dit que c'est une mère, mais une mère qui a accouché. Quand on dit une mère, on n'a pas dit, à un niveau de l'homme, on va parler d'une mère, la mère, parce qu'elle a accouché. Vous comprenez, frère? Amen. Voilà, mais la mère des prostituées. Donc, elle n'est pas seule, la seule prostituée. Elle a encore engendré les prostituées. Pas étonnant que la parole de Dieu est blasphémée comme ça au milieu des gens. Continuons. C'est quoi? Et il me transporta en esprit dans un désert. Oui. Et je vis une femme assise sur une bête. Stop. Ah, ça commence à aller maintenant un problème. Finalement, on parlait d'une femme. Maintenant, on dit maintenant qu'elle est venue dans l'esprit, il a vu cette femme assise sur une bête. Maintenant, vous voyez qu'on a parlé des femmes. On a donné l'interprétation que la femme, c'est l'église. On a fini par trouver que c'est une église, n'est-ce pas? Dans la Bible, la bête représente quoi? La bête. Si vous avez lu dans la Bible, vous avez lu le livre de Daniel. Qu'il y a 4 bêtes qui sont sorties de la terre, ainsi de suite. Dans l'interprétation, on a dit quoi? Que ce sont des rois, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, finalement, c'est une femme église qui est en même temps roi. La Bible qui le dit. Il dit, si vous lisez la Bible, on parle dans lui de Daniel, qu'il y a les bêtes. Il y a la bête qui était sortie comme le lion, l'autre est sorti comme le loup, ainsi de suite. On dit que le lion, c'est tel roi. L'autre aussi, c'est tel roi. Donc, quand on parle de bête, c'est une puissance du royaume. Et en disant que cette église-ci est portée. Donc, ce qui porte l'église-là, c'est une puissance du royaume. C'est un royaume. Donc, la dualité entre la papauté et le chef d'État du Vatican. La Bible, elle ne peut pas faire mieux que d'accomplir ce que la Bible a dit. Donc, quand vous voyez que on dit que le pape est le chef de l'État du Vatican, le plus petit, l'État du monde, 44 hectares, ce n'est pas anodin qu'ils le disent. Ils disent pour préciser la puissance étatique. Donc, la bête dans la Bible symbolise donc la puissance politique, la puissance du roi. Donc, on dit que cette femme-ci était portée. Donc, elle était incluse dans un royaume qui avait ces deux pouvoirs-là. On avance. Amen. Ne vous fâchez pas, les catholiques. Je n'ai pas quelque chose contre vous, mais j'ai quelque chose contre vous. Allons-y. Une bête écarlate. Écarlate, attendez donc. Vous voyez, non seulement on dit que cette bête, on dit que c'est une bête, mais on dit qu'elle est écarlate. Qui connaît la couleur écarlate? Ce qu'on appelle écarlate. Quelqu'un a la couleur écarlate ici. Montre-moi la couleur écarlate. Vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez pas la couleur écarlate. Regardez ici. Ok, continuons la lecture. Pleine de noms de blasphème. Pleine de noms de blasphème. Sainte Rita. La sainteté, le pape Jean-Paul II. Très souverain pontife, plein de noms de blasphème dans ce royaume-là. Il s'habille en écarlate. Continuons, c'est pas fini. Ayant
Ayant sept têtes et 10 cornes. Ayant sept têtes et 10 cornes. Continuons la lecture. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Ah, de pourpre et d'écarlate. Vous avez déjà vu la réunion comme vous le pape, comment la façon qu'il s'habille. Vous avez déjà vu l'habillement. Vous avez vu la couleur. Vous avez vu la couleur décrite là. Quelle est l'église qui s'habille en pourpre et en écarlate? Quelle? Sur la terre, il n'y en a pas deux. Laquelle? L'église catholique. Souvenez-vous, on a parlé de sept têtes et 10 cornes. On arrive avec cela. Alors, ça veut dire qu'on a donné même la description que les gens de ce royaume la portent. Continuons. Éparé d'or. Éparé d'or. Je veux que vous regardiez. Des pierres précieuses. Remarquez bien. La richesse du monde se trouve où? Au Vatican. Mais vous connaissez ces choses-là. Hein? La richesse du monde se trouve là-bas. N'est-ce pas, c'est pathétique que l'église du Seigneur se trouve dans englober les biens du monde. Alors que Jésus, le roi de l'église, avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde. La grande mafia, c'est eux qui jouent. Les grands meurtres sur la terre, c'est eux qui font. En tout cas, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Continuons. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. C'est là où elle commence à nous intéresser. Souligner. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Je veux que vous me dites l'église, la seule qui célèbre l'Eucharistie avec une coupe d'or. Laquelle? Les catholiques. N'est-ce pas, vous allez voir ça dans votre Bible? Ouais, maman. C'est très grave, maman. Alors, vous avez déjà souligné coupe d'or. Maintenant, c'est ici donc qu'on touche dans votre truc que vous appelez communion. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Donc, on a dit que c'est une femme. Et puis, cette femme était habillée d'une certaine façon. Et cette façon de s'habiller, c'était la façon d'un royaume. Et dans leur royaume, ils étaient puissants, n'est-ce pas? Parce que c'était une bête. Maintenant, on dit qu'elle tenait dans sa main lors des célébrations. Une coupe, on dit en or, on n'a pas dit en argent, on n'a pas dit en cuivre encore, on dit en or. Donc on donne tout pour que la description ne soit pas biaisée au courant des temps. Une coupe d'or, puis on dit remplie. Donc la coupe est remplie des abominations de ça et de ses impuretés. Donc maintenant on s'arrête là-bas, on commente. Et de sa prostitution. Maintenant, on va rentrer doucement. Si je dis que vous lisez la Bible, vous n'allez pas me lire, mais au moins vous avez vu les films de Jésus. Lorsque vous voyez la sainte scène, la nuit où Jésus a été livré, est-ce qu'il met les choses dans la gorge, le gobelet pour donner aux gens dans la bouche? Non. La seule personne, une fois de plus, pour que vous voyez que l'Église catholique se connaît bien, à qui on a mis ça dans la bouche, c'était qui? Judas. Judas Iscariot. Vous avez vu cela? L'Église catholique se reconnaît, c'est vous qui ne la reconnaissez pas. Elle se reconnaît. En tout cas, voilà la Bible de Jérusalem là-bas. Voici la Bible top. On va lire ce qu'elle dit d'elle là-bas. On y va? Donc, dans sa coupe d'or, la Bible nous dit, dans la noce, toute votre attention, que le téléphone ne sonne plus, maman. Parce que tu sais qu'il y a l'accident qui vient mercredi. Ok. Alors, regardez. Dans sa coupe d'or. Parce que ça, elle fait comme ça, déconcentre. Là, il faut que vous grattez ceci. Dans sa coupe qu'elle t'en tient à la main. On dit que c'est rempli. Je veux que vous gardez bien cette phrase-ci. C'est rempli des impuretés de sa prostitution. Regardez bien. Quelque chose qui est en or. On devait croire que c'est quelque chose de précieux qui sort dedans. Mais à l'intérieur, surtout plutôt les abominations. Et c'est la seule église qui fait les choses en remplissant quelque chose dans la coupe. N'est-ce pas terrible? Maintenant, il faut qu'on comprenne ce que la Bible a dit, les impuretés de sa prostitution. Maintenant, arrêtons-nous du son. Dans la soirée où le Seigneur a été livré, il y avait sur le pain et le vin. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est deux questions différentes. Il y avait le pain. La Bible déclare qu'après le souper, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il a dit, prenez et buvez-en tous. Car ceci est mon sang qui est versé, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs. Jésus n'a pas mélangé le pain avec le truc là-dedans. Oui ou non? Donc, ce que l'Église catholique fait n'est pas ce que Jésus fait. Or, curieusement, le jour où ils font ça, ils savent ce que Jésus a fait, sans faire ce que Jésus a fait. Donc, ils prennent la Bible, ils tordent, et ils attendent que les pentecôtistes le font aussi. Pas étonnant que les pentecôtistes viennent d'eux. Parce que la mère tord, les filles tordent. Donne le téléphone. Ah, prenez ce téléphone là, vous le donnez à l'éteindre. J'éteins, ça n'éteint pas. Donnez-moi, je vous aide maintenant. J'éteins, ça ne sert plus jusqu'à quelque chose passer chez moi. Et comme ça ne suffit pas, ils font tout et tout pour. Oui, ils font tout et tout pour. Frère, ouvre, prends là-bas, on l'ouvre. Ouvre, effectivement, commence à nous distraire ici. Donc, dans la coupe d'or, j'aurais souhaité avoir un gobelet, n'importe quel gobelet là, vous me donnez, je vous montre. Voilà, prenez ce gobelet. Bon, ça c'est en argent. Supposons que c'était ceci. On va vous parler des exemples alors maintenant. Donc, vous voyez quelque chose de rond est dans cette coupe-ci. Jésus, il dit, dans la table de notre Seigneur Jésus-Christ, la soirée. Vous m'aimez, n'est-ce pas?
En tout cas, même si vous ne m'aimez pas, moi je vous aime. Je vais corriger une chose maintenant avant d'avancer. Que vous soyez pentecôtiste, sachez d'abord que la Sainte Seine se célèbre uniquement les soirs. Pas en journée, pas en matin. Donc si vous avez mangé le matin ou en journée, vous avez mangé sur la table du diable également. Voilà, je peux avancer. Amen. Hein, la main. Amen. Table là, table là, table là. Ça fait quand touche le catholique, les pentecôtistes sont d'accord. Il y a là-bas. Donc l'église, la façon que Jésus a fait, si vous lisez votre livre de Marc, notez maintenant, comme ça vous allez rentrer à la maison, vous allez lire, vous aurez le temps de lire. Peut-être demain, en lisant cela, peut-être demain, vous pourrez avoir les questions pour demain. Demain, on travaille, non? On a dit que demain, c'est férié. Donc, on va venir demain, on va travailler jusqu'à ce que vous me chassez. Je suis content d'être. C'est mon travail, c'est mon service. Ok. Donc, quand vous allez rentrer, vous lisez les passages que je vais donner. Peut-être demain, ça va susciter des questions. On va y revenir. Notez Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, vous lisez tout. Luc chapitre 22. Matthieu chapitre 26. Voilà les trois que vous allez lire. Amen. Et Jean chapitre 13. Amen. Voilà. Voilà. Luc 22. Marc chapitre 14. Luc 22. Matthieu chapitre 26. Et Jean chapitre 13. Quand ils disent comme ça, sans donner les versets, sans dire que vous lisez tout pour voir bien la chose. Maintenant, dans ce Marc chapitre 14, la Bible déclare que Jésus va dire à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours. Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours. Donc, ils connaissaient quand la Pâque s'est passée, même au temps de Jésus. Il dit qu'il envoyait donc ses disciples aller préparer la Pâque. Et en montant, ils vont voir quelqu'un qui écrit la cruche, ainsi de suite. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Et puis, il les suivait, il dit qu'il va vous montrer une maison haute, bien meublée. La Bible déclare que le soir, l'heure étant venue, il a attendu, on allait préparer. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ils ont attendu le soir. Parce que ça se passe uniquement après le coucher du soleil. C'est une chose qui se passe uniquement après le coucher du soleil. Donc, si vous faites ça avant le coucher du soleil, vous en avez fait pour vous. Ou mieux encore, vous en avez d'obéir à Lucifer. Je crois que c'est mieux de se faire mettre ça comme ça pour que les gens comprennent bien. Alors, ça veut dire que c'est uniquement la scène ne se passe qu'uniquement que le soir. En fait, lorsque vous voyez quelqu'un, c'est ça qui m'étonne vraiment avec les gens de ce siècle-ci. Quelqu'un qui a fait la langue française, qui est spécialisé des langues, qui a utilisé même le latin, dit je m'en vais célébrer la Sainte-Seine. Vous voyez, il est professeur d'université. On lui a donné un poste d'ancien d'église. Il sort le matin avec sa grosse Bible, en étant blanc avec son carnet qu'il a signé hier soir. Il dit, je m'en vais célébrer la Sainte-Seine. Vous l'avez en vérité, vous dites, professeur, tu passes célébrer quoi? Il dit, Seine. Que veut dire Seine? Le mot Seine veut dire quoi? Le mot Seine vient du latin cena, qui veut dire le repas du soir. Et toi, tu pars à quelle heure? Il dit, il part le matin à 8h. Il coupe pour ne pas être en retard, pour aller manger le repas du soir. À quelle heure? Le matin. Vous voyez quelque chose ne va pas chez les hommes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit qu'après le souper, après le souper, le souper, c'est pas le matin. Non. Pointe quelqu'un, dit, si tu pars à Seine-Seine en journée. Tu fais la Sainte-Seine le matin. C'est que c'était ton déjeuner. Ce n'est pas le souper. C'est le souper, c'est le soir. Le déjeuner, c'est le matin. À midi, c'est même le casse-croûte. Et le dessert. Donc voilà ce que les gens font. Donc j'étais en train de vous expliquer avant qu'il fallait que je fasse cette apostrophe. Parce que c'est généralement les dimanches matin qu'on fait cela. Et en plus de ça, le catholique fait ça chaque messe. Qu'il y a culte des actions de grâce, il célèbre là. En tout cas, écoutez attentivement. Le mot messe même montre clairement que c'est de la magie. Parce qu'il n'y a pas de messe dans la Bible. Donc, vous voyez, quand vous dites que je m'en vais à la messe, écoutez-moi bien. Quand vous dites que je m'en vais à la messe, vous dites que ça veut dire que je m'en vais pratiquer la magie. C'est ce que vous en avez dit en réalité. Parce que le mot messe, c'est ce qu'ils appellent messe. Parce que si vous enlevez le sacrifice, ces choses aussi de l'hostie, le partage de l'hostie à l'église catholique, il n'y a plus de messe. Parce que c'est ça en réalité qu'ils appellent messe, le partage de l'Eucharistie, ce qu'ils appellent Eucharistie, d'accord? Ça veut dire que c'est le plan central de la liturgie là-bas. Ils ne peuvent pas faire les messes sans ça, pas vrai? Et quand ils font la messe avec cela, c'est ça qu'on appelle la messe. Tous les autres qui sont tout autour, ce sont des rituels pour conduire à cela, pour conduire à vous faire adorer une autre divinité. C'est ça. En tout cas, j'avais enlevé la coupe que vous avez lue là tout à l'heure. Vous m'entendez? Amen. Donc, il y a des enseignements concernant la Sainte-Seine. Comment ça va se passer? Comment ça va se pratiquer? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Il y a d'autres qui prennent le folleré. Je peux parler ici, hein? D'autres mettent vous appelez la grenadine. C'est pourquoi ils disent parce que le sang de Jésus est rouge. On a vraiment des problèmes. Vraiment des problèmes. En même temps, d'autres prennent le manjunga. Ils boivent jusqu'à ce que quand ils prennent le fait, ses yeux bougent comme ça. Vin de messe. Vin de messe, encore très grave. Il y a d'autres qui étaient des enfants de cœur. On les mettait comme ça. Ils volaient même. Ah, c'est bien. Ouais, on a des problèmes. Je crois qu'en tout cas, lisez, demain on va parler si vous voulez bien. C'est entre vos mains. Alors maintenant,
on a convenu, et la Bible dit que ce n'est que le soir qu'on célèbre, n'est-ce pas? Amen. Donc ça veut dire que sur cette base-là, tout ce que les catholiques font là-bas chaque jour-là, c'est zéro. Donc, si vous prenez n'importe quel aspect de la doctrine catholique, c'est zéro. En commençant par le baptême, par la confession de la foi, tout est faux. En tout cas, rien ne pourrait être vrai. Alors, maintenant, on dit qu'elle tenait, cette prostituée tenait dans sa main une coupe d'or remplie. Donc, elle a mis des choses à l'intérieur. Remplie, écoutez bien encore une fois, je veux toute votre attention. Remplie des impuretés de sa prostitution. Le Saint-Esprit dit en langage simple et clair que dans la coupe est désigné le Dieu auquel il se prostitue. Ou mieux, elle se prostitue. Le Dieu soleil. Le Dieu soleil. Le représentant qui est derrière les pièces, tout ce qui est là-bas, c'est pour ça que c'est rond, l'hostie. Le Dieu Mitra. Donc c'est de lui dont il est question qu'on a fait en miniature. Donc quand vous venez comme ça, on fait comme ça là, où tu ouvres ta soupape là, on met dedans, tu viens de communier avec le Dieu Mitra, ou mieux encore Apollon. C'est le Dieu romain. La Bible déclare dans le livre de Jérémie au chapitre 2 qu'une nation change-t-elle son Dieu? Répondez. Non. Voilà. Si une nation ne change pas ton Dieu, je pose la question. Le Dieu de Rome n'a pas changé. N'a pas changé. Donc, la même divinité est là, mais service sous une autre forme. La nation ne peut pas changer son Dieu. Donc Israël lui-même ne peut pas changer son Dieu. Le Dieu d'Israël est toujours le Dieu d'Israël, même s'il fait n'importe quel péché. Donc même si n'importe quel modernisme ça arrive, même si n'importe quel modernisme arrive en Égypte, Pharaon avec les torts et Ra sont toujours là. Vous avez moi frère. Donc la Bible vient nous indiquer que dans la coupe se trouve le Dieu qu'il sait. Maintenant sortez seulement les choses dans la coupe, vous allez voir ce qu'il est question. C'est la représentation du Dieu soleil. Le pain, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il fait ça en petit, en grand, grand nombre. Et vous voyez comme ça. Vous voyez, quelqu'un dit que je ne peux pas communier. La personne vide là. Étant la bouche comme ça. Si je ne communie pas. Après, il faut me dire que je suis communié. Vous m'amusez. Si vous avez raté la communion, remerciez le Seigneur pas même pendant 3 jours. Frère, oui. J'ai une question, mon Dieu, en esprit. Oui. Pourquoi ils disent là-bas que si tu n'es pas marié, tu ne dois pas prendre ça? La Bible t'a dit ça, hein? Non. Ah, mais si la Bible t'a pas dit, laisse-les continuer. Tout est faux. Okay. Tu vois, si tu continues à citer les choses qui sont fausses, on ne va pas arriver. Alors, ça veut donc dire que nous avons un problème ici. La personne que vous avez, vos hommes en blanc que vous considérez, servent le diable, le Dieu soleil. Maintenant, regardez bien l'apogée. Ce Dieu soleil, c'est celui dont on célèbre le 25 décembre. Parce que le 25 décembre, c'est la célébration du Dieu soleil, le Sol Invictus. C'est-à-dire que la victoire du soleil sur l'hiver, le solstice d'hiver. La prochaine fois que vous allez venir, vérifiez. Regardez, mon téléphone est ici. Avant d'arriver chez vous ici, j'ai éteint. J'ai éteint ça complètement parce que je ne dois pas parler pour que quelqu'un nous dérange. Parce que c'est plus important que tout, n'importe quoi qui puisse arriver. Je vous ai dit que j'ai abandonné ma voiture quelque part là-bas. Si on doit voler, qu'on vole. Parce que dans cette voiture, je peux faire l'accident, il meurt avec, ça se saccage. Pas vrai? Mais ceci, c'est toujours la parole de vie qui ne doit pas être compromis n'importe comment. Il faut que je dise cela de la manière que je dois dire. Ok, maintenant, vous êtes donc responsable de ce que vous écoutez. Alors, dans sa coupe, donc, se trouvent donc les impuretés de sa prostitution. Donc le reste du Dieu que sert se trouve à l'intérieur. Donc toute personne qui parle là-bas va communier avec le Dieu impur. Donc si vous allez prendre quelque chose dans la coupe en or, vous participez. C'est pour ça qu'on dit que c'est d'elle, c'est de ses impuretés, c'est pour ça que toutes les nations ont été prostituées. C'est pour ça qu'il s'arrange à ce que ce soit au deuil, au funérail, il vous donne ça. Jésus a célébré le Saint-Saint partout, frère. Point quelqu'un dit, je suis catholique. Il te faut la délivrance. Toi, ton pape et tes prêtres. Toi, ton pape et tes prêtres. Voilà. Non, on arrive avec touchons d'abord la grand-mère d'abord. On avance. On peut avancer maintenant. Maintenant, vous êtes à quel verset là maintenant? Donc, vous avez compris maintenant l'hostie qui se trouve là-bas, le petit rond qui se trouve là, n'est-ce pas? C'est ces petits ronds qui se trouvent derrière les représentations des idoles que vous avez partout là-bas. Marie, les statues de Marie avec le soleil. N'importe quoi là-bas avec le soleil. N'importe quoi là-bas avec le soleil derrière. Parce que c'est le Dieu soleil qu'on sait. Oui. Parce que hier, j'ai été scandalisé. Il y avait un mariage à l'église catholique. Oui. Dans laquelle j'étais invité. Maintenant, ils ne savaient pas que on devait baptiser le mari à l'église. On devait lui verser l'eau sur la tête à l'église. On devait lui verser le. Oui, aspergé, oui. Quand le moment est venu, on lui a amené dans leur canal là. Ils ont embelli avec des tissus blancs. Oui. Quand il a baissé la tête pour qu'on verse l'eau là, je n'ai pas pu supporter. Oui. Je suis sorti. Donc le reste. Tu sais pas ce qui s'est passé. Oui. Et ça m'a fait mal. Je voulais aller dire à monsieur là. Qu'est-ce que tu as accepté comme ça? Il fallait dire, on t'a dit que tu es une sorcière. Tente d'aller gâter le mariage de quelqu'un. Faut le laisser. Donc jusqu'à maintenant, là, quand je pense, je crois bon, comme tu dis. Tu donnes des détails, ça me fait mal. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible, non? L'éclaircissement qui vient de vous,
non. Donc, quand vous dites comme ça pour les catholiques, vous êtes à l'aise comme ça. Quand il veut toucher le pentecôtiste, il ne faut pas que vous me regardez mal. Les églises, on arrive. Parce que la Bible ne fait pas de cadeaux avec n'importe qui. Voilà. Donc, si vous êtes à l'église pentecôtiste, si vous vous réveillez, vous allez vraiment vous réveiller. J'arrive. Voilà. D'accord, maman? Voilà, on avance ici maintenant. On était dans quel verset? 5. Allons lire maintenant. Sur son front était écrit un nom. Vous entendez ça? Sur son front était écrit un nom. Un blasphème. Un mystère. Babylone la grande. La mer des impudiques et des tribulations de la terre. C'est terrible. Si vous voulez retenir quelque chose ce soir de tout ce qu'on a fait, gardez ceci que l'Église catholique, c'est la mer des abominations. Voilà la sanction de la Bible la concernant. Donc quand vous la voyez même ça à la télévision, vous voyez comme ça, regardez comment elle draine les foules. N'importe qui peut venir, n'importe qui peut venir. En tout cas, il n'y a pas de présentation contre le péché là-bas. On avance, continuons le verset suivant. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. C'est ce qui est encore le plus pathétique ici. Une femme qui est blasphématrice, regardez ici maman. Si vous prenez les encyclopédies ou bien les dictionnaires, ouvrez votre dictionnaire Robert, n'importe quel encyclopédie, ou bien si vous voulez, vous avez votre internet ou bien n'importe quoi, allez tout simplement. Vous ouvrez votre dans les encyclopédies, on commence par A, on donne A, rond, ici, on donne les définitions. Allez à C. Et puis regardez CR. Et puis vous arrivez, vous avancez jusqu'à CRO. Vous avancez encore jusqu'à CROI. Vous avancez jusqu'à CROIS. Vous allez voir croisade. Et vous allez regarder qu'en partir de 1095, les premières croisades ont commencé. L'Église catholique, c'est les papes qui ont initié les croisades pour aller fustiger et tuer tous ceux qui n'étaient pas en règle avec eux. Ils étaient considérés comme les hérétiques. Et la Bible dit que ce sont eux qui ont tué les saints. Et il n'y a pas aucune église, il n'y en a eu qu'une église sur la terre qui a tué les chrétiens. C'est elle qui a tué parce qu'ils voulaient que tout le monde soit sous le pape. Et les chrétiens qui connaissaient la vérité se dissociaient depuis et partaient. Comme la papauté avait le pouvoir, ils pouvaient commander les rois. Ils lançaient tous les rois de la terre en disant que les hérétiques sont au milieu de vous, si vous ne les tuez pas, on va vous déposer devant Dieu. Les gens lançaient contre les chrétiens. On tuait, on brûlait. Sous Néron, on en a brûlé. On prenait les chrétiens comme ça durant des cycles. Pendant qu'on faisait les cycles, on ouvrait un temple comme ça. Vous avez entendu parler des gladiateurs. On ouvre les endroits comme ça, là où les lions, on met les chrétiens au milieu avec les familles. On ouvre les lions. Les gens sont là-bas, on commence au stade. On voit comment le lion mange les chrétiens. Les chrétiens étaient là et priaient. On a pris Polycarpe et tous les autres. Pour Jean qui a écrit l'Apocalypse, on l'a pris, on l'a tué fatigué, il n'est pas mort. On a pris l'huile, le mettre dans l'huile chaude pendant 24 heures. Ça n'a même pas bougé ses poils. On a dit que non, maintenant, c'est un grand sorcier. Si on a même amené à l'île de Palmos. On a expliqué à l'île de Palmos. L'île de Palmos, ce qu'on peut considérer comme Guantanamo aujourd'hui. C'est là où Jésus est venu le trouver pour lui donner l'Apocalypse. J'étais à l'île appelée Palmos à cause de la parole de Dieu. Et je fus ravi au jour du Seigneur. Et j'ai vu derrière moi une voix qui criait comme une trompette. Donc il était là, dans la prison. La prison la plus exécrable qui puisse exister à cause des Roms. L'un des plus grands persécuteurs de l'église, Rome, sur Rome, c'était Néron. Néron. Il prenait les chrétiens comme ça là. Vous appelez comme il n'y a pas d'électricité à ce moment là. On met les lampes ici, on les attachait comme ça là, on les enduisait l'huile, on met le feu sur eux. Ils brûlent en criant. Wah, wah. C'est ça qui servait d'éclairage, les chrétiens. Donc la Bible que vous avez avec vous, les gens, pour que ça arrive vers vous, ont souffert de leur vie. Vous savez, aujourd'hui, on dit que Lydie, frère Junior, somme là est long. C'est long. Quand on va mettre le feu sur toi, tu vas savoir que le feu va rester le somme sans qu'on le vous dise. Donc quand vous voyez la Bible, chacun prend sa Bible, après lit, dépose que Dieu va comprendre, il est fatigué. Tu es fatigué. Attends, on met le lion derrière toi, tu vas réciter tous les sourates comme ça là. Les gens ont souffert de leur vie pour avoir ces paroles-ci. Polycarpe avait 80 ans, on le prenait. Les officiers du roi l'ont attrapé comme ça là. Un vieillard, il était dans une maison à chambre haute. Il a laissé cacher là pendant qu'il priait. Les frères qui étaient dans un autre appartement, on a venu pour où est le vieillard Polycarpe. Les gens disaient que non, il n'est pas là, il est sorti. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi que vous voulez? Il a dit oui, c'est vous qu'on veut prendre. Il a demandé que servez-le à manger. On a servi à manger à tout cela. Ils ont mangé. Il dit qu'allons-y. On l'a pris, on l'a attaché. Il était là, marchant comme ça avec les chaînes aux pieds. L'officier du roi que l'a envoyé appeler a dit, mais qu'est-ce que votre Jésus là vous donne? Maudit le Dieu. Il dit que c'est juste César qui est le Dieu. Il dit, comment vais-je maudire mon sauveur? Qu'est-ce qu'il m'a fait pour qu'il le maudisse? Il a continué comme ça en partant. En partant, jusqu'à ce qu'on l'a tué. On l'a mis sur le boucher, mettre le bruit, ne sait pas comment. Il a commencé à prier. Polycarpe a prié pour ses persécuteurs. Alors qu'on a dû le brûler. On a dû le brûler, il s'est mis là-bas. Il a dit, Seigneur, que ma mort aussi ne sert pas seulement pour rien, mais que ça serve seulement à convertir ceux-ci qui me brûlent et autres. Mais si c'est nous aujourd'hui, on t'attend, on fait pas. Tu dis non, c'est le frère Junior qui prêche que Jésus est Seigneur. Pourquoi on veut m'arrêter? Eux, ils priaient pour les gens qui les persécutaient. C'était tellement que même les ceux qui guillotinaient, il y a beaucoup de gens qui étaient des officiers, des gens qui tuaient les chrétiens. La paix qui animait les chrétiens qui étaient tués, la sainteté qui les animait faisait que même les bourreaux, après avoir tué, se prosternaient, ils devenaient chrétiens. Les bourreaux. La puissance du Saint-Esprit sortait des chrétiens et touchait les gens qui guillotinaient les chrétiens. Parce qu'ils voyaient comment les gens, pour une croyance, on dit avancer suivant, on met la guillotine, on coupe la tête, tcha,
quelqu'un avance, il dit Seigneur, reçois mon esprit. Il met sa tête, on fait tchao. La personne qui est à côté de la guillotine dit que non, ça, quelque chose, il y a une force extérieure en dehors d'elle. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, on fait tant, tu vas tourner comme ça trois fois. Tu vas comme ça, tu vas dire que non, non, moi je suis catholique, Marie, même Joseph. Mais la puissance du Saint-Esprit était en eux. La puissance du Saint-Esprit. On a fouetté, Actes des Apôtres chapitre 4, fouetté Jean et Pierre. Juste à ce qu'ils avaient été déchirés. En rentrant dans la salle, la Bible déclare qu'ils étaient fiers d'être jugés, d'avoir été persécutés au nom du Seigneur. Amen. Donc tu tapes comme ça la blessure, tu dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes, que la blessure soit sur moi. À cause de toi. Grâce à cause de toi. Merci. Mais aujourd'hui, les gens souffrent parce qu'ils ont pris la femme de quelqu'un. Que Dieu nous en aide. Alors, les chrétiens donc ont été persécutés pour que vous ayez l'écriture. Mm. Je sens de prendre la place où, ici où on dit que c'est chez elle, on a trouvé le sang des saints. Donc, les saints de Christ, c'est elle, cette église qui a détruit au courant des siècles. Ne la voyez pas comme elle est comme ça, que les chrétiens sont avec nous, que la paix de Christ soit avec vous. C'est un dragon qui a dit de parler. C'est un dragon. Elle a l'apparence de l'agneau, mais c'est un dragon. Parce que la Bible déclare qu'elle va se réveiller encore pour persécuter les chrétiens sur la terre. Quand vous remarquez que les églises sont en train de se réunir. Ils viennent chaque fois pour le conseil des pères, le conseil œcuménique. C'est la chose la plus abominable que la Bible appelle là-bas. Mais quand les gens ne lisent pas la Bible, ils disent le pape va prier, il appelle les pasteurs, les musulmans qu'on prie, on sait le même Dieu. On ne sait pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu qu'on sait. Donc vous voyez, on dit réunion œcuménique. On appelle tous les pasteurs à venir prier. Vous allez dans ces endroits-là, vous entrez dans l'entrée des démons. C'est pas comme ça que ça se passe. Le début, c'est répentez-vous et que l'écriture soit votre autorité. C'est pas un nom qui doit être autorité. Donc, la réunion des pasteurs que vous voyez là, que les prêtres catholiques enregistrent chaque fois, on dit réunion, prière œcuménique pour la paix. C'est pas ça. C'est prière œcuménique pour l'établissement du nouveau ordre mondial. C'est ça qu'on est en train de parler. Parce que le but, c'est finalement, quand vous allez vous réunir une fois, la troisième fois que le gars s'est passé ici avec ton pomme là. Le but, c'est ceci. Les pasteurs pentecôtistes. Les pasteurs luthériens, les pasteurs ceci, baptistes et autres là-bas, vous réunissez finalement. Lorsque vous allez réunir, en fin de compte, on a dit qu'ok, en octobre 1500, Martin Luther avait écrit 95 contre nous. C'est ça qui vous a créé la division, il y avait des incompréhensions. Alors, vous êtes revenus à la maison à votre maman. C'est comme des filles que la mère avait chassées, ils sont revenus. Maintenant, sous mon ordre, nous avons un Dieu. Voici le canevas à suivre. Désormais, voici la doctrine. Voilà la décret qui sera sur la terre. Dieu a présenté cela sous Daniel. Où il y avait une grande statue qui avait été faite, que si personne, toute personne ne doit pas adresser une autre prière en dehors de Dieu, ce que c'est Dieu là. Oui. Vous avez vu ça, frère? Amen. On dit tout le monde s'est prosterné là-bas. Parce qu'il y a un signal, on doit suivre toute personne qui ne doit pas faire cela. Oui. Voilà le signe de ce que Dieu a dit qu'il devait venir. Amen. Et souvenez-vous là où ça s'est passé? Ça s'est passé à Babylone. Vous savez ça? À Babylone. Et donc, ça va se passer sur la terre. Et la Bible déclare, seuls ceux que le nom est écrit dans le livre de vie, qu'ils ne vont pas adorer. Amen. Si votre nom n'est pas là-bas, vous allez sauf que vous pouvez. Avant qu'on ne dise, vous allez dire quoi? On sait le même Dieu, comme vous dites maintenant, vous couchez seulement au sol. Donc, le seul fait que vous dites qu'on sait le même Dieu sans discerner, montre clairement que vous pouvez porter la marque sans vous rendre compte. Alors, lorsqu'on se réunit pour la paix, vous entendez que le livre catholique, on monte à la télévision. Une messe pontificale a été dite à l'église basée Saint-Pierre, où on veut les représentations des musulmans. Même les musulmans savent que vous mentez. Parce que sa parole, le Coran dit que Dieu n'a pas de fils. La Bible dit que Dieu a un fils. Comment vous allez vous entendre? Comment? Ce n'est pas l'hypocrisie que vous allez faire là-bas. Entre temps, quand vous finissez, un chaman vient, il prend la cigarette, il fume. À nos dieux, les ancêtres. Les ancêtres sont les dieux, frère. Donc vous voyez l'hypocrisie qu'il y en a. On invite Satan et ses légions de démons de venir gouverner sur la terre. Donc le conseil œcuménique des églises, c'est la branche religieuse du nouveau ordre mondial que Lucifer va contrôler. Parce que les banques vont se réunir. Les amis vont se réunir, le gouvernement vont se réunir en un gouvernement où il y aura un président, tous les autres sont les gouverneurs. Le signe est donné aux États-Unis. Les États-Unis sont formés de 52 États, un président, des gouverneurs. Ces choses que vous voyez en Amérique, ça va se répercuter dans le monde. Le monde aura un seul président, un seul président qui va dire et tout le reste seront des gouverneurs. On est mal barré. Si vous êtes sur la terre à ce moment-là, sachez que pour vous, est cuit. Alors, la Bible déclare que personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque des bêtes. Donc, si vous ne donnez pas la vous ne vous soumettez pas à l'Église catholique, vous allez fichier. Et si vous allez donner votre marque, vous mettez la marque, donc vous prenez l'approbation, vous prenez la marque, c'est irrévocable, vous allez en enfer. Vous voyez qu'on a le temps de se repentir. Amen. Ici, il n'y a pas de persécution encore contre l'Église. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce que l'Esprit Saint soit en toi. Pour que si tu passes par les persécutions, que vous savez que si vous quittez la terre, vous allez du côté de Dieu. Amen. Sinon, quand on va donner temps, tu vas voir les étoiles, comme on va se rendre dans les tintins là. Tu vas régner Jésus. Regardez l'apôtre Pierre. Quand on a crucifié Jésus, on a commencé à vouloir taper comme ça. Dans le jardin, il a fui, non? Il a fui. Mais quand le Saint-Esprit est sur lui, c'est devant 3000 personnes qu'il a commencé à prêcher. Plus de 3000 personnes. Il dit que vous avez tué le juste. Pas vrai? Vrai.
Abili Kaka, lorsqu'on a vu l'assurance avec lequel il parlait, on a dit que le type Sissoko n'avait pas des soins, il n'a pas fréquenté. On reconnaît qu'il avait été Jésus. Il avait été impacté, imbibé du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ou un, même si on fait n'importe quoi, vous pouvez tuer n'importe comment, il bavardera toujours. Amen. Amen. L'église catholique, c'est la plus grande des sectes qui arrive sur la terre. Qui est sur la terre? La plus grande. C'est le siège de la magie blanche, noire et rouge. En tout cas, si ça vous choque, sachez que le pape qui est là, c'est un jésuite. N'est-ce pas? C'est le premier pape jésuite, n'est-ce pas? Ce que vous ne connaissez pas, c'est que la papauté elle-même combattait contre les jésuites. Parce que les jésuites avaient été créés, confondés par Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, ce sont des maîtres qui manipulaient les gens, qui enseignaient que quand, pour te recruter là-bas, on te formait à accepter ce que le maître dit et c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que ça c'est jaune. Tu dois croire que c'est jaune, même si tu vois noir. C'est comme ça qu'on fermait les jésuites. Et les jésuites ont cette neutralité, ils étaient dans les sectes en transformant les gens dans les visions. Et c'est au milieu de que l'Antichrist va sortir. Voilà le premier représentant. Vous êtes mal barré, vous, l'église catholique et tous ses acolytes. On avance là. Vous pouvez voir comment la question des communions n'est pas facile à traiter, n'est-ce pas? Continuons ici. À haute voix, ma chère. Et du sang des témoins de Jésus. Donc allez dans la. Quand j'étais en Didier, allez dans le dictionnaire, regardez seulement croisade. Allez lire. Quand vous allez prendre croisade, on va vous montrer les différents croisades qui ont eu lieu. Vous allez voir que dans cette encyclopédie là, le mot croisade va avoir beaucoup de définitions. On va dire que le premier croisade a été initié par le pape tel, en telle année, pour chasser les croisés et autres là-bas. On va définir si c'est défini. Premier croisade, deuxième croisade, troisième croisade. Combien de millions de personnes l'église catholique a fait brûler, tuer? Et vous entendez l'église Saint-Jean-d'Arc, alors que c'est eux qui ont brûlé Jean-d'Arc. C'est terrible. Continuons ici. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est pour cela que ça a étonné mon grand frère Jean. Il a vu une église qui est censée servir Christ, en train de tuer les personnes qu'elle dit c'est servir. Il était étonné. L'ange lui dit, pourquoi t'étonnes-tu? Viens, je te montre le jugement de la grande prostituée et la bête qui la porte. Continuons. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Vous entendez, non, c'est pas? Donc, il y a un mystère, la femme. Il veut dire, quelle est cette femme-ci? Et la bête qui la porte, qu'est-ce qu'elle est, n'est-ce pas? Allons-y. Qui a les sept têtes et les dix cornes? Oui, la chose a été dite en haut. Sept et dix cornes, il dit qu'on va y revenir. D'accord? Un, deux, trois, c'est parti. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Oui. Elle doit montrer. Monter de la mine pour aller à la perdition. À la perdition. Si on avait du temps, si on avait du temps. Mais il y a les enseignements concernant ceci, d'accord? Il y a les enseignements. Il y en a plein de 1200 enseignements à votre disposition. Vous pouvez aller sur Bamba Iba. Vous allez sur YouTube, vous tapez Bamba Iba. Bamba Iba, B-A-M-B-A, espace I-B-A. Vous tapez, ça va vous sortir la liste d'enseignements. Il y en a plus de 1000 là-bas. Vous êtes servi à toutes les sauces. Pour les femmes, pour les hommes, pour n'importe quoi. Dans tous les aspects, vous avez les enseignements là-bas. Donc, il y a ça à expliquer. Continuons. Je veux qu'on aille vite avant qu'on lise la Bible catholique là-bas. Allons-y. Bon, et aller à la perdition. La bête et les habitants de la terre, virgule, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce que ouais, les gens qui vont obtenir l'église catholique, n'est-ce pas? Waouh, on avait dit que l'église catholique ne fait plus de puissance. On avait vu que les vaccins maintenant sont bien. Alors, j'aime le pape. Oh, j'aime le pape. Vous aimez quoi celui au juste? Qu'est-ce que vous aimez? Il vous a séduit. Le vieillard vous a séduit. Spiritus Sanctus. Spiritus Sanctus. Regardez la façon que je fais. C'est quoi ça? La croix renversée. Mes petits, je vous maudis. Vous parlez des Bibles. Continuons ici la lecture. Vrai renversé. Continuons ici. Et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Oui. C'est ici l'intelligence et la sagesse. Qui a la sagesse? Qui a la sagesse? Oui. Les sept têtes. Les sept têtes sont sept montagnes. Oui. Sur lesquelles la femme est assise. Stop. Donc on nous a dit initialement que la femme était assise sur les grands eaux. On a dit qu'elle domine sur les peuples. On a vu ça, non? Ici maintenant on nous dit les sept têtes. Parce qu'on a dit que en sept têtes et dix corps. On dit que les sept têtes, c'est amusant seulement. Amusant et harissant. Amusant. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Sept montagnes. Ça, c'est verset 9. Allons-y dans la Bible de Jérusalem. C'est la Bible de Jérusalem. Bible de Jérusalem, c'est la Bible catholique. Regarde le verset 9. Tu as regardé le verset 9. Normalement, il y a une petite lettre là-bas. La lettre, c'est la lettre. C'est quelle lettre? C'est ici qu'il... Non, lis pas la vie. Il dit qu'il y a une petite lettre d'annotation. Une petite lettre.
quand tu dis Yann, peux-tu être en parenthèse? Soit F, soit H, soit I, soit D. C'est soit quelque chose. Tu ne vois pas un truc. Dans le verset 9. Toi, tu as quoi? C'est top. C'est top. Ok, non, interrompons la celle-ci. On va lui prendre ça, c'est top aussi. Il dit qu'il n'y a pas. Allons-y ici. Allons-y. C'est K. Allons-y à K en bas. Tu lis à K en bas là-bas. K en bas. Voici K, non, la référence est en bas. Allons-y. Avant l'intelligence. Mm-hmm. Oui, c'est tout. C'est tout ce qu'on a dit là-bas. Oui. Disons ici. Où est ton verset 9? Voici le 9. Oui, mais, voici le verset 9, non? Oui. Allons-y. Il dit ici quoi? Il dit ici, c'est ici que ce qu'elle était n'est plus. Oui. Et reparaîtra. Oui. Attends, donne-moi ta Bible, je vais regarder. C'est la version, chapitre 18. F. Où est le 8, le 9? Regarde ici. C'est ici ce qu'il faut avoir l'esprit doué. Les sept têtes sont les sept collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Ici, voici I. Donc, ici, I, il y a F, quelque part, voici H. On a défini H. Après I, après H, il y a F, et puis voici F. Allons-y. Lis, F. Lis à haute voix. Regarde bien. Voici le verset 9 qu'on a écrit. Lis à haute voix pour que tout le monde écoute ici. Allons-y. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, allons-y. Les sept têtes sont les sept collines de Rome. Encore. Les sept têtes sont les sept collines de Rome. Vous avez entendu? Dans la Bible, ils disent que les sept têtes là qu'on parle là, c'est les sept collines de Rome. Et effectivement, Rome, sur la terre, c'est le seul lieu sur la terre qui a sept collines. Donc Dieu a fait donner les détails pour que même les aveugles puissent savoir de quoi il est question, y compris eux. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Vous voyez que dans vos livres, lui, ce gars n'a pas interprété, mais eux, ils ont interprété parce qu'ils savent de qui est la question. Et ils vont parler même des rois là-bas en comme étant les rois de Rome. N'est-ce pas, frère? Ils parlent comme des rois de Rome parce que c'est deux dont il est question. Et c'est eux qui ont écrit. Ils disent que les sept. Parce qu'on dit qu'ici, elle était assise sur les sept collines. Les sept collines, les sept montagnes, sur les sept. Allez seulement sur Internet, vous tapez le nom des sept collines de Rome. Vous allez voir Capitole, ainsi de suite. Tous les sept collines, tous les sept noms. C'est sept seulement. Maintenant, en prenant ça, vous pouvez dire encore que non, on dit que Yaoundé, c'est la ville de ces collines. Il y a ces collines à Yaoundé. C'est seulement juste en terre. Même si c'était cette colline, Yaoundé a tué les cinq sur la terre. Non. Yaoundé domine sur toute la terre. Non. Donc Yaoundé est éliminé. Ça ne peut pas être Angola. Donc il s'agit de Rome. Et les Romains ont interprété que c'est chez eux que ça se trouve. Alors la question maintenant, c'est. On dit que la femme, regarde ma soeur Siri, elle dit que mon agent qui voulait aller au Vatican, j'aime pas plus. Vous savez, il y avait une maman qui était allée au Vatican un jour comme ça. Vous parlez comme ça, vous n'avez pas dépensé. Elle avait dépensé, elle était allée au Vatican comme ça, acheter des choses. Elle est rentrée avec les grosses cloches parce que ça pesait. Les photos de ses grosses valises, venez. La maison, hein, c'était un tabernacle à miniature de l'église catholique. Quand j'ai parlé, la maman là, m'a regardé comme ça. Là. Elle a une grande école ici à Bonhomme, ça dit. Elle a dit que mon fils, tu m'as tué. Il était tué comme moi. Il dit que le Vatican se trouve chez moi. Alléluia. J'ai des amis avec qui j'ai grandi, d'autres avec qui. Deux autres, je vais vous raconter l'histoire de deux d'entre eux. Un jour, j'étais à Yaoundé, je dormais avec un dans sa chambre, il avait sa photo de ce qu'ils appellent Jésus. Je faisais la photo de ce sorcier-là à la maison, allait prendre ça et brûler rapidement. Il y a d'autres encore qui ont des bagues avec Jésus, c'est ça, et Marie, ils font ça, ça fait comme ça. Tu es marié ou ça, Satan? Vous avez ça chez vous, c'est les portes d'entrée des démons chez vous. Vous avez des croix que vous comptez, ou bien les musulmans, vous êtes les musulmans, le bouddhisme maintenant. C'est la sorcellerie que vous faites. Alors, lorsque mon ami là, il avait ça avec lui, avec sa petite croix, il est catholique normal. C'est que je suis en train de vous dire là. Avec lui, je ne peux pas aller par quatre, même parce qu'il ne peut pas me taper. Et même s'il me tape, il ne ramène pas. Je me suis couché au lit, dans son lit. Je suis dans sa chambre. Je m'en fiche si je suis dans sa chambre ou pas. J'ai craché la vérité. S'il me dit, sors, je suis habitué. J'ai dormi partout ici dehors. Je dormais n'importe où. Dans les voitures, sur la planche, à cause de Jésus. J'ai dormi, j'ai sorti avec mon sac comme ça. Il y avait dans mon sac mon gant, la brosse à dents et mon petit huile. Quand il sortait comme ça, il arrive que par exemple, il voit le ruiné, il brosse la dent. Je suis parti. Il marche, il prêche la Bible, il prêche. Ils prient pour les gens, ils sont à l'aise, mais moi-même je n'étais pas à l'aise. Vous comprenez? Donc j'étais chez lui. Si, il pouvait me dire cette nuit-là, et on était à 22h. Il pouvait me dire que sors. J'ai parlé de Marie, qu'on appelle Marie, que c'est une sorcière. Parler, lui montrer les écritures. Quand il parlait, il me suis couché. J'étais derrière. Le grand matin à 5h, j'entends comment quelqu'un se lève. Il monte sur le lit avec le pied, il fait comme ça là. Je vois, il envoie la main, il retire
Tous les effigies là, ils brûlent. J'entends seulement dehors l'odeur, ils voient la fumée qui sort. Je guette dehors comme ça, je vois, ils brûlent. Bon, je suis tellement tranquille, il continue à donner comme ça. C'était fini. Aujourd'hui, il est ancien dans une église, la Full Gospel. C'est un ancien aujourd'hui. Il a quitté l'église catholique. Sa famille a commencé à me persécuter que c'est toi qui viens enlever notre fils dans notre église. Parce que je lui dis la vérité. Il y a une autre prostituée qui passait par nuit, elle rentrait au moins avec 45 000. On l'avait payé pour qu'elle vienne coucher avec moi. Quand elle est venue, Dieu l'a délivrée. Elle ne pouvait plus faire la position. Je suis venu un jour lui rendre visite. Sa mère a dit que c'est toi qui as mis le truc là dans ma fille. Il a dit oui, maman. Elle est entrée dans la maison. Peut-être qu'elle vient de nous donner l'eau à boire. Elle est sortie avec l'eau haricot chaude. L'eau du haricot chaude. Elle pense ça. Heureusement qu'il y avait la course au pied. Elle dit un coup, gars, comme ça. Je te vois encore ici. Tu vas me sentir. J'ai enlevé ce que tu as mis dans ma fille. Il dit maman, il sait seulement, mais il ne sait pas comment on enlève. Quand il prêche seulement, quand ça entre dans vous, est-ce qu'il sait comment enlever? Nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Jamais. Quand tu prêches la vérité, il peut venir dire que, même s'il dit maintenant que les écoutes n'est plus le mensonge, vous avez déjà vu la vérité. C'est il peut venir dire le contraire. Vous avez déjà vu la vérité. Donc, même si vous voyez là, vous sortez, vous êtes, en tout cas, vous qui avez les idoles chez vous, quand vous allez rentrer maintenant, ça va vous regarder autrement. Ça me pousse avec le deuxième ami. Mon deuxième ami, nous sommes ici à l'université. J'ai parlé de l'église catholique. Je ne sais pas dans quelle église j'étais parti. Je crois que je ne sais pas lequel était parti. Si maman, bon, je devais vous repérer cela. C'est lui qui vient me raconter. Je ne suis jamais été dans les brigades de fous de l'église catholique. Là. Alors, j'ai parlé le lendemain. Je ne parle pas, je ne dis pas que je ne parle pas. Je prêche seulement la vérité, telle que je suis prêché. La responsabilité, j'ai dit, cette pièce-là, garde cela, d'accord? Garde cela. Amen. Et je vais te demander ça un de ces jours. Amen. Alors, regardez ici. Alors, je prêche le matin. On est samedi soir. Le matin, il prend sa Bible, tombe. Il se dirige à l'église. Quoi. Dans sa tête, c'est que le coup là dérange. Et pas. Il s'assoit là-bas. Quelques minutes plus tard, il rentre, quelqu'un vient encore avec la sueur. Quoi? C'est quoi mon frère? Il dit, il ne met plus jamais les pieds là-bas. Mais c'est quoi? Il fallait qu'il se calme d'abord. Il dit que mais c'est la sorcellerie. Il dit c'est quoi? Quand il s'est calmé, c'est là qu'il a commencé à m'expliquer. Apparemment, dans le temple où il est allé, en haut, comme ils font sans ça, fait des sculptures là. En haut. Donc c'est comme si l'église est en veine, je ne sais pas comment, c'est d'après la description qu'il m'a donnée. Il dit qu'il y a un archange qu'on a dessiné en haut, gigantesque. C'est couché en haut comme ça, avec l'épée. Donc on a dessiné quelqu'un là-bas avec l'épée comme ça, grande. C'est ce qu'il me dit. Il dit que quand il est venu s'asseoir là-bas, tout ce qu'on faisait devant là, ce n'était pas son problème. C'est mes paroles qui passaient encore dans son cœur. Il ne faisait que regarder les choses, il voyait les abominations. Il voyait n'importe quoi les abominations, il voyait les abominations. Et pendant qu'il observait, donc, tout le culte, toute la messe qu'on faisait là, il ne suivait pas. En fait, il n'a pas fait 15 minutes là-bas. Il a commencé à voir la vérité. Et je ne sais pas ce que Dieu a fait là-bas. C'est lui qui raconte, c'est son témoignage. Alors, il a regardé cette lettre là en haut. Il dit qu'il a regardé une fois, lettre là, fait comme ça. En face le visage, le regarder. Il a cru qu'il rêvait. Il a d'abord cru que je rêvais. Il a fait ses yeux comme ça. Guetter les gens qui sont à côté de lui, que mais je rêve ou que je ne rêve pas. Il a encore guetté. Le gars a encore froissé le visage. Le dessin qu'on a dessiné en haut a froissé le visage pour le frayer. Il a fait les pieds comme ça. C'est ça qu'il a fait fuir. Je vous dis, la personne est vivante, donc elle est ici même à Dolasso. Un jour, je peux venir raconter ton histoire que tu as eu. À partir de ce jour, elle est sortie de l'église catholique. Donc, même par le feu, Dieu va vous chasser là-bas. Vous entendez? Donc, Dieu a ses façons de faire. Moi, je ne dis pas de sortir. Je presse seulement comme vous allez là. Si allez tendre encore vos soupapes, ouvrez, on met. Mais en ouvrant la bouche désormais, vous savez que tu manges l'impurité. Tu parles n'importe où, tu as de servir le Dieu soleil, pas le Dieu de la Bible. Le 25 décembre, si vous achetez le sapin. C'est que vous trouvez dans Deutéronome 12 où on dit que vous êtes prochainé dans toute table verte. Parce qu'il y a les chrétiens qui peuvent acheter le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Noël, c'est quoi? C'est la célébration de l'enfant Jésus. Jésus, enfant. Hein? Il a dit qu'on célèbre. Vous avez vu la célébration dans la Bible. Il est né en décembre. On dit non. Jusqu'à là, c'est non. Mais on dit, mais on peut quand même quoi, mon frère? Pointe quelqu'un, dit qu'arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Quand c'est non, on arrête non. Donc, imaginez par exemple qu'il vous dit que le pont-ci, si je passe là-bas, ça va se casser. Tu mets le pied parce que tu vois même comment il est très sur ça. Tu commences à dire que donc on peut continuer. Tu vas te retrouver au frère. Dans l'eau. Donc, quand il y a le truc quelque part, on dit que tourne-toi, répands-toi, retourne. Métanoïa, ça dit changement. Change-toi et va dans l'autre direction. Tu dis non, on peut. Frère, on ne peut pas quand même préparer le riz ce jour-là. Le riz est seulement destiné pour Noël. Hein, mon frère? Le sapin de Noël, si on met seulement un petit sapin avec les poupées sur ça, avec les anges sur ça. Le sapin, vous connaissez d'où ça vient? Le 25 décembre, donc, c'est la célébration pour donner la victoire de ce Dieu soleil que vous prenez dans les petits morceaux de pain. C'est pour ça que le soleil a le ton rond, comme sur la tête de ces choses-là dans les îles catholiques. C'est sa fête comme ça, la fête. Le solstice d'hiver, les Saturnales, les catholiques. Si vous lisez l'encyclopédie catholique et les encyclopédies britanniques, vous allez remarquer effectivement qu'on dit là-bas que Noël était une fête célébrée longtemps avant Jésus.
On célèbre l'anniversaire de quelqu'un qui naît, frère? Non. Donc 3000 ans avant, on célébrait déjà le 25 décembre. Jésus vient. On dit que, en tout cas, c'est en 305 que Denis de Pitié avec le pape, et bien, on concocté là-bas pour dire, il a dit que trouve-moi une date. Il a commencé à concocter. Ils ont vu que la population célébrait la fête du soleil. Ils ont dit, ok, pour le cadrer, mettez aussi pour Jésus ces jours-là. Le peuple s'en fout de votre Jésus. Il continue à célébrer les fêtes comme il célébrait. Voilà, voilà dans l'église, dans le paganisme. Voilà l'église dans le péché, dans le monde. Donc si vous célébrez l'église, vous célébrez vous appelez le 25 décembre, vous êtes un catholique. Ou mieux encore, pour ne pas vous tromper, vous êtes un romain. Ou mieux encore, pour encore plus être accentué, vous êtes un babylonien. Voilà. Donc ce sont les babyloniens, les romains qui célèbrent le culte de Vincennes. Jésus n'est pas né en hiver. Il ne peut pas naître en hiver. Parce qu'en hiver, il fait froid là-bas. C'est la neige là-bas, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ta communion, tu vas encore prendre, ma soeur? Je ne prends plus de pile que je vais soulever. Tu ne prends plus? Qui voulait prendre pour se marier là? Que Dieu vous bénisse. Alors, vous remarquez que j'ai dissocié ces questions. La communion. Voilà ce que l'Église catholique appelle communion. La Bible appelle communion, notre ce qu'on appelle en anglais fellowship. La rencontre, le partage dans la parole. C'est ça que la Bible appelle. Amen. Pour ce qui est du pain et de vin sur la table, c'est un autre enseignement. Et si j'entre là-bas, il faut 4 heures pour enseigner ceci en détail. D'accord? Parce qu'il faut aller à l'origine, dans la Pâque juive, rentrer la paix ça et montrer comment jusqu'à célébrer ce qu'il a laissé, ce que l'Église a fait et ce que l'Église, les églises aujourd'hui font pour nettoyer tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne dois pas vous fatiguer pour longtemps vu que vous allez revenir demain. Oui, ma soeur. Ils ont dit que sont mariés à l'église catholique. Il n'y a pas de problème. Si tu avais accouché dans le monde, on va jeter l'enfant. Tu t'es marié. Est-ce que l'église catholique qui est ton mari? Vous êtes déjà marié. Vous avez bu sur Satan. Continuez seulement. Vous continuez, vous quittez le nettoyage, non? Mais, parce qu'il y a des gens qui sont mariés à l'église catholique. Il y a des gens qui sont mariés en boîte. Ils vont faire comment? Ils vont rejeter cela. Il y a des gens qui ont vu ça, le coup de fou dans son cœur. On va faire comment? Ils sont mariés. Si tu es marié, tu es marié. Le problème maintenant, c'est que la Bible déclare que aujourd'hui, les hommes ont besoin de repentance. De repentance. Repentance, ça veut dire que je ne connaissais pas. Maintenant, j'arrête de faire ces bêtises-là. Je veux communier avec les dieux étrangers. Maintenant, vous prenez votre Bible. Il n'y a pas deux façons. Vous prenez votre Bible, vous commencez à marcher comme sa parole le dit. Amen. Fin de citation. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère, tu voulais dire quelque chose? Oui, frère. Moi, je cherche l'étude de Marie chez moi, ça fait 2 ans aujourd'hui. Tu cherches ça? Oui. Tu avais mis ça quelque part? On avait lu. Lorsqu'on avait lu, oui. On a brûlé tout ce qu'on avait. Oui. Mais Marie avait pris fuite, mais on ne sait pas là où c'est. Bon, on va à la maison maintenant. Quand tu vas rentrer à la maison aujourd'hui et tu deviens une donnée de temps, tu dis que Marie, quel que soit l'endroit où tu te caches ici, je te commande de te montrer au nom de Jésus. D'accord, frère? Voilà. Sa Marie a disparu. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À demain, quelle heure demain? 10h toujours, 10h. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Pendant qu'il est dans les saluts, il y a des gens qui ont les bagues catholiques là. C'est pas ici, le bague catholique. Là, c'est le bague. Il y a des points sur ça. Point. J'ai salué quelqu'un, j'ai senti cela dans mon corps. Vous savez quoi? Dizani. Vous voyez que ça sonne avec Dizani, non? Que Dieu vous bénisse. Eh, j'ai pas salué ici. Veuillez me pardonner. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va, les enfants? Salut-moi mon bébé, salut-moi. Ça va? Tu t'es venu à la maison, tu me connais non? Tu t'es venu à la maison avec papa non? Tu te souviens?
Alors en se posant la question, l'histoire de l'Église, comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le premier siècle? Derrière cette histoire se cache beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées, d'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer, par conséquent on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme est en train de louer le Seigneur. Elle dit, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Et ces autres gens ne les écoutaient pas. Elle louait ses mains au Seigneur, elle louait ses mains au Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'Église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme finale d'Église, la réforme finale d'Église, la réforme finale d'Église, la réforme finale d'Église. Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni rite. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, Seigneur. La réforme finale d'Église, la réforme finale d'Église, la réforme finale d'Église. Que le Seigneur te bénisse. La réforme finale d'Église.